Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Maman! Mais Dieu! Hé! Donne la peur de moi comme ça. Donne la peur de moi comme ça. Vous signalez mon direct saute. Puisque le direct saute. Non! Vous dites que je ne suis rien. Ma voix ne porte pas. Vous signalez mon direct saute. On te signale pourquoi? Parce qu'elle dit la vérité. Vous signalez mon direct pourquoi? La tête cassée. Ouh, les pleurs. Les pleurs ont commencé, les pleurs du Mbolé. Vous signalez mon direct pourquoi? Merci pour les cœurs, Noël Abessolo. Pardon, partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne peux pas laisser. Vous signalez. On signale parce que le direct manque de partage et de cœur. Si tout le monde tapote et il partage, il n'y aura pas de signal, il n'y aura pas ce genre de problème. Quand le direct est partagé, même si on te signale, mais tu as refus, parce que le direct est bon. Le direct est bon. Partagez et mettez les cœurs, s'il vous plaît. Partagez et mettez les cœurs. Merci Noël Abessolo, merci. Oh, ma mère paye le prix. Ta mère va payer le prix plus que ça. Aïe, elle m'a dit. Mais la bêtise continue. Parce que vous avez nommé le 9 de Facebook. Vous avez nommé la légende des réseaux sociaux. Mais elle a continué à faire du mal aux gens. Elle ne pense qu'à elle. Vous voulez qu'on laisse? Nous sommes salis en diaspora camerounaise. Grâce à ce déchet. Toi-même, tu es sale. Vous voulez qu'on continue à laisser? Mon truc, tu sais, les faire ça dur. Mais lui, non. Les dicaires, ils ont peur de moi, mal mauvais. Ils ont mal peur de moi, ma Nadine. Ils ont peur de moi très mal. Parce qu'ils savaient que quand ils sont en direct, ça pète. Ils ont signalé, il y avait 70 personnes. Le direct est parti à 14, 9 personnes, ils ont compris. Parce que le direct manque de partage. Vous qui êtes là, mobilisez, partagez et mettez les cœurs. Il dit partagez, mettez les cœurs. Je suis même dépassé. Donc vous pleurez, vous pleurez. Vous pleurez. La tête cassée avec les pleurs, maman. Vous pleurez. Ma mère a promis la plainte, non. Il y a quand même ma plainte. Laissez-moi faire mon direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Mes gens, quand le direct est partagé, vous défendez votre compresseur et Nicole. Nous aussi, on défend Marfo. Ça devait les pleurs, maman. C'est vice versa, non? Atika, ça avait les pleurs, maman. Atika, ouh. Non, mais franchement, quand Gringa vous éduque, quand Gringa prend un peu le temps, elle m'a volé avec l'éducation. T'as qu'une qui a fui l'école pour le Bangala. C'est normal. T'as l'éducation. Une personne qui a fui l'école pour le Bangala, elle dit que parce qu'on la fouettait beaucoup. C'est normal qu'elle ait une team aussi tête percée comme ça. Venez signaler le direct. Une team des bêtes. Hein? Des bêtes. Des teubés, des cocococ. On dit que la noix de coco. La tête est dure comme la noix. Une team des cervelés. Voilà ça. Le pleur partout, partout. Ma yelle manou. Boy indi mamayon. Et l'araignée boy indi. Et l'araignée ici. Tabé non, beau lundi. Vous dites ça maintenant ici, Roa. Allez mourir, signalez encore mon direct. Massa, les pleurs partout, partout. On peut pleurer comme ça. Maman, les pleurs du bolet. Merde. Les pleurs partout, partout, maman. Les pleurs. C'est quoi avec les pleurs? Les pleurs partout, partout. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait à ce démon? C'est la question que j'ai. Ta mère le démon. Ferme ta bouche. C'est ta mère le démon. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Assume de ces actes au Cameroun qu'elle arrive au pays. Devant la justice camerounaise, vous savez tous. Quoi qui? Que tu n'as pas le droit de mettre la sérologie de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Quoi qui? Condamnable par la loi. Toi qui?
Voilà qui alors. Tu as laissé la bêtise détruire les familles des gens. Pour ta mère qui est la bêtise. Si demain, j'apprends que ma mère a eu la visite, c'est moi ce qui va payer. Le démon serait là. Tant mieux, même si elle a même la visite. Tu as à détruire les gens. Vous savez combien de personnes font le chantage dans les émotions. Les gens qui viennent se confier en elle, vous n'en savez pas. Vous voulez qu'on continue à laisser le démon continuer à pourrir la diaspora camerounaise? J'aimerais savoir. Merci. J'ai partagé dans 40 groupes. Merci beaucoup. Si tout le monde qui est là partage et met les cœurs, on n'aura pas ce genre de problème. Si vous tous qui êtes là, vous mobilisez. Vous qui commentez là, et les baptistes, les consorts. Si vous tous vous mobilisez, le direct n'aura pas de problème. C'est quoi avec la sorcellerie partout, partout? Vous défendez Nicole avec votre reine, mais vous dites qu'elles ont raison. Nous aussi, on défend Fleur de Lille avec sa mère, Anna. Ça devient un problème. C'est vice-versa, je suis désolé. C'est le vice-versa. On ne pleure pas la mère, c'est interdit de pleurer. On ne pleure pas la mère. Je vous ai dit que je suis sur vous propre. Je suis sur vous propre. Oui. Et comme j'ai dit à Fleur de Lille hier, sur WhatsApp, je répète ici, on est avec elle, Bango. Bango, elle n'est pas seule. Parce que vous n'êtes pas... Votre team là, vous n'êtes pas des vrais adversaires. Une team qu'on a nourri, maman, on vous a nourri. On vous a nourri. Une team, on nourrit un enfant. Et si vous avez encore le respect. Non, mais vrai, vrai que le chien qu'on nourrit va bien nous mordre. Merde. On nourrit un chien qui vient te mordre, maman. On vous a nourri, vous la tête cassée. On vous, les amis vous ont nourri. Ils vous ont donné à manger avec le lait. C'est quoi? On vous a nourri ici, votre patron l'a nourri. Elle est encore en diaspora, elle était mère comme le fil de fer. Grâce à Fleur, elle a pris un peu les kilos. Elle a pris les kilos. On a gardé les habits de l'heure, le tout sinon, elle va reporter Shine. Il y aura, je dis que si Fleur garde encore, ouais, que ma pote garde encore un habit ici ou un cadeau. Voilà, il va gêner sur ça. Tu vas gêner sur le cadeau là. Tu n'auras plus jamais qui coque. Elle va maintenant garder quand ça y a, va la garder. Aura. N'importe quoi. Là, moi, une team de mendiants comme ça. Team de bouffeurs, de lécheurs, de bouffe tout. Vous devez toujours vous les payer comme les bêtes. C'est vous qui êtes des bêtes. Jamais. Le temps que vous perdez à venir faire la sorcellerie là, allez instruire votre patronne qu'on dispute. Allez instruire Gopsput. Allez l'instruire. Une femme qui a eu l'éducation en bas des ponts. Allez instruire votre bêtise là, mais dis donc, c'est quoi de casser les oreilles des gens tout le temps? Je vais, vous n'allez rien faire, vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Votre acharnement là, ça ne passe pas par moi, et dans ma part, je vous évite très vite, parce que moi je ne donne pas le lait. Sachez à qui faites vos choses là. Allez signaler les directs des gens avec qui vous faites ça. Parce qu'avec moi là, moi ne me menace pas. L'autre a dit ici là que tu n'es pas caché dans le mal, non. Je vous attends. Je vous attends. N'importe quoi, tu me des poclettes comme ça. Va votre patronne là-bas, quelqu'un pelait les pommes, va tout ça part. Je fais les pommes au four, hein, la nourriture des blancs, n'importe quoi. Avec les doigts brûlés, cruc. Je vous lave maintenant propre et votre patronne encaisse. Ça ne chauffe pas. Vous êtes mal, vous êtes qui non, mon frère? On vous voit même. On vous voit. Au moins une team de têtes percées comme ça. Faites attention, hein. Quand on vous laisse là, c'est pas la peur. Hein. Quand on vous regarde, c'est pas la peur. Vous n'êtes pas né. Vous êtes qui non, mon frère? Merde! Regardez-moi les gens comme ça, hein! Une team de merde! Maman! Jusqu'à ce moment, c'est sur moi qu'on veut mettre la malchance. Laissez-moi parler ma part. Tout le monde est libre de parler. Tout le monde dit sa vérité dans les réseaux sociaux. Laissez-moi parler ma part. Hein? C'est quoi? Chacun sa part. Hein? J'ai dit ici, Nicole, la Madokas que tu dis aujourd'hui que, oh Madokas, tu es ma mère. Tu es tellement bête. Je redis encore, j'assume mes propos. Dorcas, c'est une personne qui n'aime personne dans la toile. Dorcas, c'est les souris, les rats dans les bateaux. C'est quand ton bateau va couler qu'elle va fuir. Elle va t'abandonner, te noyer. Tu vas te noyer, elle va fuir. Dorcas, c'est un rat. Elle dit comment? C'est le rat. C'est le rat de Facebook.
Quand elle dit là ton bateau, c'est pour venir sucer, pour venir avoir un peu. Quand ça finit là, tu te retrouves au champ de guerre. Donc quand c'est les gars qu'on dit que personnage non grata. Là voilà, je dis pas sur fleur de lune, non. Donc quand c'est en quête de visibilité et des étoiles, je te redis encore ça bien aujourd'hui. Nicole Isaac Mbunkena, maman à l'église. Maman à paroisse Sancho Polo de Koni. Parce que j'ai ton adresse. J'ai l'adresse. Le nom de l'église là où elle dort, c'est ça. La paroisse Sancho Polo. Elle vit dans la ville qu'on appelle Koni en Italie. Ils ont dit que si elle donne ça, ils vont me faire. Nicole vit à Koni en Italie. Koni, C-O-N-I. Merci, ma Prisca Chou. Elle vit à Koni. Nicole vit à Koni, dans la ville de Koni. Elle dort dans une paroisse. D'après mes enquêtes d'hier soir, le père de l'enfant a mis Nicole dehors parce qu'elle a menti son mari. Et le père a dit qu'il n'est pas gardé l'enfant parce que lui-même, il travaille, n'a pas le temps. Et ce n'est pas un blanc, c'est un Afghanistan qui a eu la nationalité italienne. Donc la fille de Nicole a eu les papiers. Elle est italienne sur les papiers. Elle n'est pas d'origine italienne. Monsieur Rachlo de la Fougounette, qui est le père de l'enfant, il n'est jamais italien d'origine. Cette fille est venue vous mentir dans la toile. Le père de l'enfant lui dit, et j'assume mes propos, j'assume mes dires. Même si on part où, j'aurais raison. Le père de l'enfant n'est pas italien d'origine. Monsieur Rachlo, Salim de la Fougounette, c'est un italien qui est, il est venu, donc c'est un Afghanistan qui a fui la guerre dans son pays. Il est arrivé parce que la condition de vie là-bas, on sait comment ça se passe. On bombarde à toi à travers. On a coulé sa maison, il a fui. Il est entré en Europe. Il a commencé en Italie un peu. Il a fait le mariage avec une Italienne, avec qui ils se sont séparés. Il a bossé, il a eu sa nationalité. Voilà comment il a croisé Nicole. Parce qu'il faut qu'on dise un peu, on raconte ton histoire un peu ici, ma chérie. Le père de l'enfant de Nicole, elle vous a dit que le père de l'enfant l'a croisé au campo, c'est le mensonge. Nicole, il y a un coin à Koni, comment on appelle là, les jeux de damier, les billards et consorts là. Les filles font la prostitution là-bas. C'est là-bas qu'il a croisé Nicole. Il avait proposé le préservatif à Nicole, Nicole a refusé. Nicole a fait tout et pour tout pour avoir l'adresse du monsieur. Quand elle a couché avec le monsieur, elle est allée dire au campo qu'elle a son homme. Elle a eu l'adresse du monsieur, elle partait déjà là-bas. Voilà comment elle est partie porter le bélier. Avant même qu'elle porte la grossesse, elle cherchait l'enfant, elle n'a pas eu. Parce qu'elle prenait les pilules en aventure, les comprimés pour éviter la grossesse. Parce que c'est qu'en aventure, c'est pas facile de supporter l'aventure. L'aventure, on te couche à toi et à travers. Donc les grossesses peuvent entrer, comme les maladies peuvent entrer. Parce qu'elle-même d'abord, c'est une porteuse. Elle n'a pas un corps sain. C'est un corps touché et atteint. Même dans sa wifi a partagé à sa fille dès l'état dans le ventre. Comme vous entendez. Nicole avait le monsieur Kassa qui a l'état. Parce que moi je dis et j'assume mes propos. Hein. Je dis et j'assume. Le monsieur avec qui Nicole vivait, le père de l'enfant. Nicole a cherché l'enfant. Il n'a pas niorcé le premier où c'est entré. Quand vous dites la vérité, il n'a pas niorcé c'est entré. Elle ne comprend pas quand elle couche avec lui sans capote, elle ne tombe pas enceinte. Elle a cherché. C'est les comprimés là qui avaient causé un truc. Voilà pourquoi elle devait aller à l'hôpital. Pour faire les comment on appelle là, elle suivait un traitement à l'hôpital. Voilà comment elle a pour finir la porter l'enfant. Elle a expliqué qu'elle a donné la raison à l'hôpital que elle buvait les comprimés parce qu'en aventure, on a abusé d'elle. On a présenté 50 bangalas sur son visage. C'est une fille qui a lutté. Elle a affronté 50 bangalas elle seule. En aventure. En plein désert, imaginez un peu le soleil. Parce que moi, je suis passé là-bas, le soleil là, c'est la magie. On te donne 50 bangalas sur le soleil au désert. Ce n'est pas facile. Elle buvait les comprimés. Parce que les bangalas d'Nkassa. L'Nkassa, lui, quand il frappe, il joue rapidement, il refrappe encore. Donc, elle a donné 50 bangalas, deux coups. Donc, elle a encaissé en tout 100 coups de bangalas
au désert. Voilà pourquoi elle est traumatisée. Et je tiens à préciser que c'est une fille qui fait aussi les rapports anal. Parce qu'elle insulte aussi Mahapo, que Mahapo, elle-même fait les rapports anal. Elle prend devant et derrière. C'est une fille qui prend devant et derrière. Et vous savez que l'Onkasa, lui n'aime pas lui taper que devant, non. L'Onkasa aime beaucoup plus le derrière. Parce qu'il faut qu'elle s'assure en direct, elle dise la vérité. Que l'Onkasa n'aime pas frapper lui devant, l'Onkasa n'aime pas trop le devant, il aime beaucoup plus le derrière. Il aime quand il met là-bas derrière, il dit « Rache là, rache là, ya ya, zébénique Marc ». Il aime quand l'Onkasa aime quand il parle comme ça, il ne prend que pas derrière. Et aujourd'hui, je vais t'asseoir, tu vas venir parler à Flore de lui, mais tu es malade. On t'a dit que Flore fait le poteau comme ta pute de mère, Nicole. Flore fait le poteau comme ta pute de mère. Va Lolo, que toi, tu as acheté Lolo aujourd'hui. Si Lolo est méchant, elle va porter plainte au Cameroun contre toi. Tu as fait la charmance Lolo ici. Hein? Tu es sorti défendre Lolo ici. Elle ne te connaissait même pas. Elle entendait seulement qu'il y a une fille qui lui défend. Quand tu as tourné la veste même, elle était m'étonnée. Ça ne la supprimait même pas que vraiment. Parce qu'elle te regardait et disait que mais, c'est quelle fille qui est sale, qui sort de nulle part. Hein? C'est quelle pourriture qui sort de nulle part comme ça pour venir parler. Mais franchement, ma chérie, à un moment, avant d'ouvrir souvent la bouche, il faut un peu essayer de mettre ta cerveau en évidence. Si tout le monde veut porter plainte comme toi, tu ne penses pas t'en sortir, ma. Tu ne vas pas t'en sortir. Moi-même, je vais demander qu'on porte plainte au Cameroun. On doit faire un test à tous les bicyclistes de Bépanda. En particularité, Yon-Yon. Parce que Yon-Yon est touché. Jusqu'à Kamtel, Bépanda. Tout c'est une zone qui est touchée. Ta mère a partagé le Mounyongo là-bas. Tu n'en parles pas de ça? Ta main libre comme Benzikineur. Elle met le pied sur la moto, un pied en bas, un pied sur la moto. C'est nous qui avons dit. Quand tu vois ta main joue, on dit que ta main, c'est un dossier que nous a trouvé ici. Ta main joue le ludo. À plein minuit, 1 heure, elle est au marché avec les gars pour jouer le ludo. Elle mise 2 200 la mise. Qu'est-ce qu'elle cherche d'ailleurs? Elle pas partager le mbunga. Ta main partage le mufak. Elle partage la sauce. Ta main c'est. Après, on dit que ta main c'est manga, ça wifi, free access. Quand on dit qu'un wifi est free access, pour dire que quand tu entres dans le wifi là, tu ne tapes pas le mot de passe, c'est un wifi qui est gratuit. Ta main c'est le matelas de doigt là, parce qu'on te rappelle ça. Tu dis que ma Anna est pourrie, mais encore ma Anna, maman. Regarde un peu ta main. Ta main est multicolore. Elle est Fanta, Coca, Grenadine, Castel, Cadi, Beaufort Light. On ne peut même pas identifier le teint de ta mère. Et c'est elle qui met encore le noir sur les yeux, maman. C'est quoi c'est Kongan là? Même Kongan n'était pas ça. Ta mère n'est pas différente de la Chakala. Parce qu'avant de parler des mères des gens, assieds-toi un peu, pose-toi les questions. Dis-toi que mes mères, qu'est-ce qu'ils sont en train de parler même là? Prends ta mère, regarde un peu Mahana. Mahana, malgré son. Quelle est plus âgée que ta mère? Regarde Mahana, tu regardes ta mère. Tu penses qu'il y a match? Même Gringa qui est jeune, elle est comme une revenante. Toi-même, tu es comme une fille qui est morte, elle est revenue après 2 mois pour venir faire la vente des sauvettes, des sucettes et des macabos. Devant l'église, et toi voilà aujourd'hui. Parce que tu vois que tous ceux qui meurent là, ils ressuscitent devant les églises. Toi voilà devant l'église aujourd'hui en train de squatter. Tu squattes à l'église après 7 ans de mène. 7 ans de mène, tu es à l'église en train de dormir. Tu vas venir parler pour aux gens. Maman, tu vas brancher le foyer au mur pour préparer. Tiens, tu vas confirmer que l'Italie non. Maman, tu as entendu les scores. Je suis une bengis. Une fille qui double les bus, elle prend au moins 5 bus le matin pour aller demander les aides. L'argent que tu veux parler pour porter plainte là, cherche un avocat, tu vas prendre ta fille. Tu dis que le blanc, c'est rare de voir le blanc dans la maison qui fait l'accouchement à son enfant. C'est d'habitude un cas ça. Et je vais bien vous dire, ceux qui n'ont pas fait l'aventure, en aventure, ça se passe comment? Je vais vous dire, j'ai été en Algérie, à Alger, j'ai vu comment les Arabes fonctionnent. Quand une maman a une fille avec les garçons, ils sont mariés à la maison. Quand elle part au marché, elle amène sa fille au marché. Parce que le père ou les garçons peuvent rester et faire les choses à l'enfant. Parce qu'elle est la seule fille. Les Nkasa ne réfléchissent pas comme moi on réfléchit. Il faut que vous disiez à vous très bien. Ce qui est arrivé à Nicole, parce qu'elle ne peut plus mentir. Elle ne sort jamais avec le blanc. Le blanc dans son pays connaît, il connaît que non. Il y a telle chose que si elle fait, c'est fini. Donc ce sont un peu les cas rares. Ce sont un peu les cas rares. Voilà pourquoi elle a fait l'enfant avec le Nkasa. Et les Nkasa sont pervers. Renseignez-vous, on va vous dire. Moi, j'étais en aventure, j'ai fait l'aventure comme elle. Dans les pays, elle me dit. Moi, j'ai fait 3 semaines d'aventure, mais j'ai vu beaucoup de choses qu'elle n'a pas vues. Les Nkasa que vous voyez là, c'est les pervers narcissiques.
Donc, quand la femme, quand ça part au marché, elle ne peut pas laisser sa fille avec les garçons ou avec son mari. Parce qu'ils vont mettre les doigts à l'intérieur. Et c'est la même chose qui arrive avec Nicole. On a pris l'enfant. Au lieu de te concentrer, tu cherches, tu demandes l'aide qu'on puisse aller. Comment faire pour prendre ton enfant? Hein? Tu t'assois dans les directs, tu viens parler, mais tu viens ouvrir ta sale bouche, ta bouche qui est comme les faux sceptiques au pays. Tu viens parler aux gens. Une fille qui a le visage comme le coup de poing. Tu es là comme une vieille sorcière qu'on a chassée à 4h du matin, elle a sur une toiture à 2h. Parce que les problèmes étaient tellement risquants. Mais tu vas venir parler à qui, non, maman? Tu es qui? Tu as la maman qui est qui, non? Tu veux parler qui est qui? Toi, tu peux dire que personne n'est sale, maman. C'est toi qui peux te lever, tu dis que personne n'est sale. Une fille qui produit le kumkum, la glaire. Mais ma chérie, nous on transpire de la sueur, mais toi tu transpires la glaire. Tu es une productrice glairétique. Et ça ne chauffe pas. Tu t'agites et tu vas continuer à t'agiter. J'espère que les docteurs et les politiques qui t'encouragent là, et ceux qui sont derrière toi là, parce que même ton diamant bleu, tu dis qu'elle t'encourage. Quand on a dit si qu'elle a partagé le diamant, elle a dit quoi? Je n'ai pas partagé, mais elle est partie encore, elle est partagée, je te soutiens ma fille. Moi, j'ai fait la capture d'écran. J'ai fait la capture d'écran. Les mendiants sont toujours comme ça, les mendiantes. Les mendiants et les mendiantes. Méfiez-vous des personnes tout simplement là qui est un peu, team et money. Méfiez-vous des team et. Les team et sont les mendiants promesses. Méfiez-vous des team et. Ma table est money. Méfiez-vous des team et. C'est pas comment on se passe là. L'ingratitude, la jalousie encourage la sorcellerie. Une personne qui est jalouse, c'est une personne qui est sorcière. Et c'est une personne qui peut tuer. Ça ne chauffe pas. Comme j'avais dit, c'est qu'un gringa, Flore avait refusé de ne pas voir sa mère. Pourquoi? Parce que tu es capable de mettre le remède. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'on sache qui tu es. On dit souvent que qui crache à l'air reçoit sur son nez. Gringa a craché à l'air, ça a pris même tout son visage. Et voilà ça aujourd'hui. Et maintenant, comme aujourd'hui, elle voit que non, elle est affaiblie. Elle cherche la compassion des gens. Elle envoie Nicole devant. Nicole qui a aussi un cerveau percé. Tu vas faire le sale. Tu vas venir parler à Mahana. Quand tu vois la situation de Mahana, tu vois la poutre à mère. Tu penses qu'il y a un match. Même si Mahana rentre au Cameroun maintenant, sa fille est assise. Elle a des gens qui le suivent, qui sont assis. Toi, Nicole, tu ne devais pas dormir dans un taudis comme ça en Europe, ma chérie. Tu devais être dans une petite suite, bien propre. On voit une grande cuisine, une mère d'enfant qui a une vie assez stable, assez paisible. Tu es incapable de te prendre un avocat et tu vas aller porter plainte. Et ce qui est marrant, c'est que tu fais encore le litige pour porter plainte. Maman, au Cameroun, on porte plainte à 10 000, maman. Donc, tu veux dire que depuis que tu as 7 ans en Europe, tu manques 10 000 pour aller porter plainte, maman. 7 ans d'Europe, tu manques 10 000 pour aller porter plainte. À 7 ans d'Europe, tu manques 10 000 pour aller porter plainte. Hein? À 7 ans d'Europe, aucune formation. Les coups de langue, même, tu ne fais même pas. Tu es là, ta tête est due comme pour ta patronne. On dirait le réservoir de sens. On a tapé le cadre, c'est perdu que pouf. Ça a explosé que tout l'extérieur. Non, mais franchement, avant de t'asseoir, tu vas parler. Maman, regarde la Mahana. Regarde la situation de Mahana. Regarde pour ta mère. Ta mère marche partout. Regarde le matériel à ta mère, non? C'est le même matelas qu'on va, on va te repasser sur ça. Elle a donné le matelas à ma mère. Et tu es même si elle dit ça. Toi, 7 ans en Europe, tu as même encore le matelas. Tu n'as même pas honte. Et tu vas venir parler fort aux gens. Tu es qui? Isaac en de l'Italie. 7 ans en Europe, tu as même encore le matelas, ma. 7 ans d'Europe, tu as même encore le matelas, mamie. 7 ans d'Europe, tu as même encore le matelas. Tu as donné 50 000. La langue du chat. C'est la langue du matelas de 50 000. Un matelas, quand tu dors, non, maman, tu sens comment on t'a donné les coups de poing. Et les matelas durs, là. Tu manques. Non, mais franchement, regarde un peu ta vie, ma chérie. Regarde un peu ton parcours. Après, tu vas dire que la lionne au Cameroun, tu la dépasses. Mieux encore la vie de la lionne au Cameroun, ma chérie. Mieux encore vivre comme la lionne au Cameroun, maman. Mieux encore, maman. Mieux encore. Ta mère, tu es en Europe 7 ans, ta mère fait le contour. Elle n'aime pas la valise, hein? Ta mère le sac du divorce. Partout là où elle perd le divorce. Ta mère a fait le tour des maisons. Ah, ma, faut que j'étais chez mon cousin. Et mon cousin m'a commis dehors. Je suis allé que chez ma tantine qui est là-bas à Foreba. Elle m'a commis dehors. Je suis allé qu'à Grand Baoba. Elle m'a commis dehors. Je suis allé qu'à Bilongue. Elle m'a commis dehors. Donc, elle a fait le tour des maisons. Ta mère fait le tour des maisons. Nketia, ya.
Tu n'as même pas la crainte de Dieu, maman. Tu dois à l'église, tu n'as pas la crainte de Dieu, maman. On peut dormir à l'église, on n'a pas la crainte de Dieu, maman. On peut dormir à l'église et on n'a pas la crainte de Dieu, maman. Ta mère dort comme les njonki, les pena. Parce qu'en allemand, on dit que les pena. Ta mère dort comme les pena. Hein? Ta mère dort comme les pena. Toi, tu es en Europe. Tu es sur un matelas matelé. Hein? Un matelas qui n'a même pas les, la couverture. Tu es couché le pied en l'air. Elle porte un caleçon 2 semaines. C'est normal qu'on t'appelle Zaka, ma chérie. Ta mère vit la vie de Débora au Cameroun. Hein? Ta mère se bat avec les sacs. Une chambre de 10 000. Au Cameroun, il y a les chambres de 10 000. Il y a les quartiers même où c'est reculé. On loue à 7 000 la chambre. Tu es incapable de prendre une chambre à ta mère et tu viens parler fort aux gens dans la toile. À quoi bon d'être benguiste et avoir une vie assez ratée? Moi, je suis dans une maison, hein, ma chérie. Regarde un peu mon parcours. Moi-même qui viens d'arriver. Il n'a même pas encore un an plein en Europe, maman. Hein? Moi, je viens d'avoir un an parce que je suis entré. Oui, de mai Cameroun à mai ici. Ça fait il y a un an. Ça fait déjà un an. Même moi-même qui suis ici, là, qui n'a encore rien, ma situation de vie dépasse ta part, maman. Même moi-même qui suis ici, ma situation dépasse ta part. Ah, j'ai le kaolo. Ah, j'ai ceci. Tu as le kaolo, alors, mais ta vie est comment? À quoi ressemble ta vie? Maman, tu vois que tu es en train. Donc, tu dépasses. Voilà une soeur qu'on est en train de perdre comme ça en Europe. Hein. Vous êtes assis ici, là, on rigole. Mais voilà une soeur qu'on est en train de perdre en Europe. Je te dis, je te répète. Tu devais t'asseoir avec tes soeurs, les fleurs de l'île. Ce sont tes soeurs. On dit souvent que même s'il y a quel problème, les soeurs d'une famille ne peuvent jamais jeter les soeurs parce que c'est le sang. Les ngringas, ce sont les sawa. C'est les sawa, c'est une team de sawa. Tu es la seule bamileke là-bas. Tu es la seule bamileke. Voilà comment on t'a déclassé. On a pris Michelin Pompé, Ndolé Koumkoum. On a mis gardienne. Parce qu'à l'intérieur de la tête, il n'y a pas assez d'espace. On l'a laissé dehors parce qu'elle est tellement énorme. Toi-même, tu devais réfléchir. Ils ont dit que la fille là, non. Regardez-la à la distance. Le poste que tu as envoyé là, tu peux connaître un gringa. Tu entends seulement gringa, tu ne la connais même pas bien. Gringa, c'est une dangereuse dans le noir. Elle va te manœuvrer, ma chérie. Elle te manœuvre même déjà. Ma fille est ici avec toi. N'importe quoi. Tu es là, tu as la tête vide. Ta tête est donc c'est percé. On va arrêter Flore au Cameroun. Tu connais combien de personnes ont porté Flore à plainte? Porté plainte à Flore au Cameroun? Tu connais combien de gens ont arrêté Flore au Cameroun? Elle est ressortie. C'est une petite pembèche comme toi qui veut l'arrêter. Va aussi au Cameroun. Pour porter plainte, va aussi au Cameroun. Le Cameroun doit arrêter cette chose. Quand on est en Europe, il n'est pas porté plainte de lui-même de papa. Quand on veut porter plainte, on doit venir assister. Si Flore pas au Cameroun, toi-même tu payes ton but pour au Cameroun. Il y a le machin, la commande Air Boza. Tu prends ton Air Boza, tu ne peux pas payer première classe. Tu prends ton Air Boza, tu pars au Cameroun. Tu pars aussi, tu pars confronter Flore O dans les tribunaux. Et c'est la paix, c'est la hante qui parle. J'espère que la TKC, la TK Ouhou, la TK Bangala, va t'aider. J'espère qu'ils vont t'aider. J'espère qu'ils seront avec toi. J'espère qu'ils vont, ils vont dépenser. Parce que tu es bête. On te voit quand ta cervelle est percée. J'espère qu'ils vont dépenser sur toi. Je t'ai conseillé. Nicole, laisse les problèmes là. C'est quand tu veux commencer avec Flore là. Laisse. Tu ne vas pas t'en sortir. Laisse. Oh. Je t'avais dit ça que laisse. Quand tu dis que j'arrive à Paris, mets-toi devant moi. Tu penses quand même devant toi. On te met devant Flore. Tu peux parler, ma. C'est toi qui as d'abord un merveilleux coup comme pour la biche. Tu as la force, ma. Parce qu'il ne faut pas qu'on te manque, on t'encourage pour rien. Quand tu seras à ton destin, ça va cuire sur toi seul, maman. Ça va cuire sur toi seul. Ça va cuire sur toi seul. Tu vois, depuis tu ne dors même pas. On a pris l'enfant. Tu es là sur un matelas incertain. Ta vie même est là comme ça, c'est comme la pirogue. Ta vie part à gauche, à droite, devant, derrière. Ça n'a même pas de direction fixe. Tu es en train de tourner en rond. Tu tournes en rond. Tu es en train de tourner en rond. Fais attention, parce que même un jour, ne sois pas surpris qu'on t'appelle, on reprend tes kaolo. Fais attention. Ne sois pas surpris qu'un jour on t'appelle, on dit, remets ton kaolo. Oui, il fallait porter plainte ici en France. Pourquoi tu peux au Cameroun porter plainte? C'est les gens comme les voleurs qui salissaient l'image du Cameroun. Une clasheuse, une insulteuse de parents,
Tu as lavé sa mère ici. Le cul de ta mère avec les asticots, mais femme ou élan. Ta mère pompe ton père ramasse. Tu as lavé ma Anna ici là. On a parlé, on en parle. Et tu continues à la laver. Mais tu portes plainte parce qu'on a parlé de ta mère. Elle n'a même pas insulté ta mère. Parce qu'il faut parler, il faut être logique. Flo n'a même pas lavé ta mère. Flo ne fait que jouer les voix de ta mère. Elle n'a même pas insulté ta mère. Parce que si Flo s'approche de ta mère, tu vas maigrir. Vois ta mère. Ta mère, même franchement. Et on dit souvent que les parents même ont souvent un peu aujourd'hui à la tête. Non, t'as pas là, non. C'est la bouillie à la place du cerveau. C'est la bouillie à la place du cerveau. Ta mère n'a même pas. Donc, aucune valeur. Ta mère n'a pas de valeur. Elle n'a même pas de dignité. Regarde comment elle t'a versé ici. C'est pas Flo qui t'a versé, je suis désolé. Ce qui vous énerve, c'est parce que j'ai dit la vérité. Flo n'est pour rien dedans. Moi, j'ai écouté. Je ne veux pas venir dire que non. J'écoute comment Flo a raison. Je veux dire que Flo a tort. C'est le mensonge. Je ne suis pas comme ça. Si Flo a raison, c'est notre soeur camerounaise. C'est notre soeur. Flo est aussi ma soeur camerounaise. Elle n'a tué personne chez moi. Je n'ai tué personne chez elle. Donc si ma soeur est en raison, je vais donner sa raison et ça ne choque pas. Oui, je lui donne ses raisons, ça ne choque pas. Flo n'a jamais insulté ta mère, il faut parler la vérité. Elle n'a pas encore insulté ta mère. C'est toi qui es en train de laver sa mère. Tu t'assois, tu insultes sa mère. Au lieu d'aller chercher un avocat qui va t'enlever l'enfant dans le social, là où on a pris ton enfant là-bas. Tu n'enlèves pas, tu vas dormir, tu vas te retrouver à la Croix-Rouge. Attends, tu vas te retrouver à la Croix-Rouge, sur les matelas en plastique. Parce que l'église là, on t'a appelé le temps que tu fais trop de bruit. Comprenez bien, chaque matin à l'église, le prêtre a dit qu'il est fatigué des bruits. Il ne veut plus les bruits dans son église. On t'a donné un petit toit d'or, là où on garde les soutanes. Mais donc tranquillement, c'est quoi? Chaque matin maintenant, elle sort à 6h, dehors. Hey, ma faux! Oui, Flo, tu es qui? Petit sainte! Elle déprime en direct seule, en pleine route. Oui, Flo, je suis. Oui, je n'ai rien. J'entends. Oh, c'est une coquette. C'est une bonne arrière. C'est une bonne arrière. J'entends. Oh, c'est là. Les Camerounais sont avec moi. Elle pose. Oui, donnez-moi un nom. Au bois. Au mètre de casse. Ouais. C'est ridicule, ma soeur. Regarde comment tu t'enfonces. Regarde comment tu t'enfonces. Regarde un peu pour moi, je t'enfonce. Elle dort là où on garde la soutane. C'est elle qui garde la soutane. C'est elle qui ferme l'église. Si une clé saute, sa vie aussi saute. Elle dort là où on garde les soutanes des prêtres. C'est une chambre où on garde les soutanes. On a offert une place que non, repose-toi. Repose-toi et venir faire les bruits. On a même pris l'enfant. Elle est partie prendre l'enfant un week-end. On a dit que non, dans les conditions qu'elle dort là, on parle de l'enfant. Le père de l'enfant, Lokasa, a dit au social des enfants en Italie que Nicole passe son temps dans les téléphones. Et chose qui est vraie, ils ont regardé sa page. Ils ont vu qu'elle est connectée matin sur matin. TikTok, jour pour jour, nuit pour nuit. Tu t'occupes de l'enfant quand? Mais le père avait raison. Tout le temps, elle est en direct. Hey, diamant bleu! Diamant! Ça serait même un diamant percé. Tu entends, non? Le père a dit la vérité que oui, c'est une menteuse. C'est la présidente des beaux-arrières et des pantalons percés. C'est la présidente des pantalons percés en Italie. Une femme qui voyage de l'Italie pour Paris avec le pantalon percé, maman. Elle filme tout l'avion, elle filme l'aéroport. Elle filme même l'église là où elle dort. Hein? Parce que franchement, quand je dis un peu la vérité, mais genre, partagez le direct, s'il vous plaît. Le plan où j'ai encore de sortir, signal. Partagez le direct. Mais ma chérie, tu n'es pas la première à Boza. Tu n'es pas la première qui a Boza, je suis désolé. Tu n'es pas la première à Boza. Moi, même si j'ai Boza, pourquoi je ne tape pas la poitrine à tout moment? Ah, j'ai Boza. Ce qui est marrant, c'est que dans tout ça, même tu te prends au sérieux. Avec tes 3 grains de cheveux sur la tête. Avec tes 3 grains de cheveux sur la tête. Tu te prends au sérieux. Et avant de continuer, il va encore signaler un point. Il va encore souligner un point ici. Je vais parler à une personne qui avait dit qu'il avait Marfo jusqu'à demain. Mais je connais que la personne là me voit en train de défendre Marfo. La personne là m'insulte. Barata, je fais d'abord un point sur toi ici. Je parle, tout le monde écoute. Quand tu as dit que tu avais une personne, soit avec cette personne aujourd'hui, demain et après demain. C'est inadmissible quand tu l'envoies, tu vois. Même les abeilles ne partent pas de tes directs.
Tu dis que tu avais ma faux, mais tu peux lancer les dires pour dire que ouais, Nicole, je te soutiens, tu soutiens la bêtise. Tu as m'insulté, mamie. Vous n'avez pas clashé, mais elle doit faire quoi pour vous? Mais attends, tu es fini de défendre la reine, mais là, tu vas m'insulter. Je fais un soulignement sur toi, je te dis avec toi, je ne clash pas avec toi. Sors-moi tes fiches de paye. Tu t'es moqué de moi. En Allemagne, ici, on ne peut pas travailler le genre que. Il n'y a pas le papier. Parce que ça va cuire en vrai. Toutefois que j'ai tous les jobs que je fais ici en Allemagne, j'ai les papiers qui prouvent que j'ai fait le job. Je t'ai montré ma liste mon petit paquet de papiers. Les fiches de paye là, c'est ce que je présente au social. Pour un jeune qui sort de la minorité comme moi, qui vient d'avoir 18 ans, j'ai présenté mes fiches de paye. On voit comment je me comporte. On voit mon éducation. Parce que j'ai raté mon éducation. Les blancs m'apprécient ici en Allemagne. Mon caractère, ma bonne conduite. Ma façon de faire les choses. Mon assiduité dans les cours. Ma ponctualité. Et même quand elle manquait, j'ai une bonne raison. Donc voilà aujourd'hui. Tu es devenu l'ombre de toi-même. Tu as dit que tu avais ma faux. Je me rappelle bien. Hein, quand elle avait lavé Floyd, si tu es sorti pour dire que. Oh, tourbillon. Oh, mais tout voilà aujourd'hui. Les gens qui défendent Marco, c'est vrai que tu viens clasher, mais tu es un serpent. Tu es un serpent. Toi, Waris, comme tu as raté ta vie, ah, pourquoi tu es en train d'enfoncer Nicole? Tu es en train de l'enfoncer. Donc, ça veut dire que tu es fier. Elle insulte Mahana en plein direct. Elle lave les pieds de Mahana. Elle dit que Mahana tousse la tuberculose. Tu es fier d'entendre. Et tu viens insulter ceux-là qui défendent Fleur de Lune. Mais c'est méchant. Ça, c'est méchant. Tu as un cœur de méchant. Même quand on veut la visibilité, c'est pas comme ça. Tu es méchant. Je dis et j'assume mes propos. Tu es méchant. Oui. Tu devais lancer un direct pour dire que non. Ce que tu fais, Mahana, là, c'est pas bon. Oui. Tu devais sortir pour dire que non. Respecte Mahana. Waris, tu es un dormangolo. Et il fait ça, mais vous dites pourquoi il fait ça. Tu fais ça parce que quand tu as dit aux abeilles que non, tu veux le iPhone. Les abeilles n'ont pas cotisé pour le iPhone. C'est pour ça que tu as eu la honte. Tu as lancé un deuxième litige pour avoir la maison, pour louer la maison. Ils n'ont pas cotisé. Tu t'es encore révolté. À un moment, calme-toi un peu. Calme-toi un peu, Waris. Calme-toi, franchement. Si tu avais Flore, comme tu as dit, si tu avais Flore, tu avais lavé Flore ici. Si tu avais Flore, conseil Nicole. C'est qu'elle fait. Ah, non, j'avais dit à la MAFO, bonjour les Tobias, bonjour la Timito. J'avais dit à la MAFO que tu sais, je ne refuse pas que tu ne fais pas la paix avec ton entourage et tout. Fais la paix, mais reste en distance. Mm-hmm. Faut pas trop affronter les gens qui viennent parce qu'ils te soutiennent et tout. Tout le monde a vu ici que Balata est venu parce qu'il avait faim. C'est un homme qui a raté sa vie. Il s'enfonce que derrière les stands Rakata. Des coups, non, je me suis arrangé avec Tata Lolo. C'est faux, hein? Je ne veux pas te voir avec ma star. Tu vas rester là où tu es. Si il a maintenant le problème... Général, pardon. Mais Jean, il y a 60 personnes à te dire. On est à 28 partages. On est à 28 cœurs. Vraiment, ce n'est pas normal. Sécurisez le direct, s'il vous plaît. Sécurisez notre direct. Sécurisez le direct, si. Ce n'est pas les directs du quartier. Ce sont les directs qu'on appelle la défense. On doit se défendre. On doit se défendre. Sortez et vu, envoyez les likes surtout, envoyez les cœurs aussi. Partagez. Toby, il y a 150 personnes, pas 50 personnes, 155 ou 160. Partagez le direct. Partagez massivement. Ça, ce n'est pas un live où on vient s'amuser. Ça, c'est un live qu'on est en train de parler, non à l'injustice. Non à l'injustice. Et moi, je refuse l'injustice dans les réseaux sociaux. Je refuse ça. C'est ça, Toby. Elle va se lever, elle insulte Mahana. Mahana n'a rien fait. Elle se lave, elle insulte Mahana. Elle insulte tout le monde. Et quand on va répondre, elle veut parler de plainte. Et Waris vient encourager ça. Tu encourages qu'on insulte Mahana aujourd'hui, mais ça, c'est être serpent. Mais parce qu'elle n'a pas eu l'argent. Quand tu as faim,
Oui, c'est un enfant. m'as Hein? dit au téléphone ici dernièrement que Frédéric a fait faire la paix avec Lolo. Il dit que l'on sait bien. Il m'a appelé au téléphone avant que le bloc. Il est bloqué. Ça fait presque 1 ou 2 mois qu'il est bloqué sur WhatsApp. Je l'ai bloqué à cause de l'hypocrisie. Il me La personne est bloquée, il dit accès est fermé. Et il ne va jamais sortir avec toi, tu es très moche. Je te dis encore ça ici aujourd'hui. Tu es moche et vilain. Je ne vais jamais sortir avec toi. Tu es moche et vilain. Il te pleure jusqu'à la dernière fois. J'étais dans son direct. J'ai dit, mais N'importe quoi. qu'est-ce que tu penses à Toby? Arrête, laisse l'enfant. L'enfant ne peut jamais venir vivre en France. Mais c'est comment tu fantasmes? Non, tu sais, le général, j'ai envie d'amener, je veux l'orienter avant le document. Papa, toi qui? Toi qui pour l'orienter avant J'ai le pas besoin de document? documents. Hein? J'ai pas Toi besoin de qui? ça. Un enfant comme ça, J'ai pas tu sais, besoin tout de le monde ça. qui passe soutenir J'ai la pas Mafo, besoin c'est de parce qu'ils documents. ont fait. Écoute, oh la Mafo, mais voici, Mafo, je t'aime. Après des coups, maman, vous n'avez pas vu Merci, ici? merci, je pose de la lionne. Merci N'avez pour pas vu ça. ici comment il Partagez, s'est s'il vous plaît, déclenché que partagez. la Mafo n'est pas partie dans son anniversaire? Hein? Moi, je lui avais dit à la Mafo qu'arrête. Même avec les Black Pussy, fais la paix, arrête de t'enfoncer avec. Et tu lui donnes le bisou. Le bisou de quoi? Hein? C'est quoi avec ce genre de bisou? Fais la paix en distance. Ce qui me tombe, c'est que tu acceptes là où on insulte ma Anna. Tu ne Mais oui. sors pas pour défendre, Mais c'est Wallis. un enfant. Mais Tu ne regarde. sors pas. C'est Une pour bonne. m'insulter. Celui-là M'insulter, d'accord. a toujours défendu contre Chap de l'Italie. Ce Waris-là. Mais Merde! non, tu sais Tu pas es pourquoi. exagéré, Wallis. Parce Franchement, qu'il tu es fait ça à exagéré. Lolo. Tu sais Dépassé. pourquoi. Je Il fait ça parce que, comme tu as Il été est toujours en fait. train d'encourager comme ça. Oui. Toujours, dès qu'on Oui. frappe un comme ça, il J'ai sort. dit. Il fait comme Tata s'il Lolo, est je ne veux tout pas te voir avec passé. Waris. Tout le monde, pas Il ne Waris. fait pas non plus dans ses yeux. Dès qu'il a fait un direct, il commence à taguer ma maman. Il tague ma maman. Il me dit comme ça dessus. Je Merde. vous parle. Tu peux conseiller qui? Tu as arrangé ta vie, Balata. Vraiment. Même vu ses sorties, ces temps-ci, Ça tu fait parles même de 26 le ans qu'il passé est à en Europe. l'école. Je suis 26 ans. tombé en Sans transe. fiche de paix. Depuis qu'il est 43 ans. tombé en Sans... transe. Depuis qu'il s'est la Slamania, ça ne vient pas. Toby, ne gêne pas. Reste sur ta cible, comme tu appelles l'Italie. Merde. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis dépassé parce que c'est lui qui c'est là que, oh, vraiment, j'ai fait comme ça. Donc tu acceptes que l'école insulte ma Anna. Non, mais ça, c'est malheureux. Il est trop faux, ce Ça, c'est baratin-là. Trop faux. malheureux. Honnêtement, que les abeilles te donnent tout. Ils ont cotisé pour ton anniversaire. Oui. C'est quoi? C'est bon pour vendre. Mais c'est obligé. C'est obligé qu'on Il fait cotise. ça parce qu'il a Je demandé le live pour pas vos pourquoi. abeilles. Ils ont refusé, ils n'ont pas donné l'argent. C'est Un pour ça. perdu comme ça. Il exagère. Et on a dit Demandé que le ma billet pour copine, le il se loyer, les parle. abeilles ont refusé. Tu parles C'est pour ma fantôme. Vraiment. Cherche ta thune. Cherche ta C'est thune. comme ça qu'il est. Non. Merde. Quand il voit là où on insulte Tata Lolo, il court, il part. Maintenant, c'est ta main forte. Tu as dit que tu l'aimais, non? Parce que tu Dépends avais de ta main faim. Tu avais faim. Maman, attends, je vais vous faire le Congo ça. La gendarmerie est partie embarquer chez Waris le week-end passé. On a débroussé. Oui. On l'a débroussé. Il va quitter dans la maison là bientôt. La gendarmerie lui a donné J'ai le délai. compris Donc, qu'on est d'ici pas là. un qui libère, que Oui. l'air qui libère. D'ici là, Il fait il doit pour lui. libérer la maison là. Il Et fait la pour le maison là a public. été cotisée par les abeilles. Donc, comme tu Oui. insultes les patrons, tu vas partir. Et la maison, Tout général, perdu comme ça. général, général, ce qui a attiré l'attention des policiers, c'est quoi? C'est parce que le contrat de bail n'est pas à son nom. Quoi? Le contrat de bail n'est pas à son nom. Ma grand, c'est la lionne, la puissance. Le compte. Ma grand, c'est chaud, ne chauffe Mais pas. Ça ne chauffe pas. Voilà, Boris qui dit bonsoir, Priscaline de l'Allemagne. Finis tout à l'heure, je sors sur toi. Il dit qu'il va sortir sur toi, Priscaline. es trop fort. Tu Il es m'a trop dit faux, que Alice. je vais Tu te acceptes la parler. Tu vérité, tu parles es à ma faux. en tant que qui? Tu es faux. Hein? Tu es Tu faux. veux comme ça, l'Italie, je vais te Merde. parler. Ce n'est pas de Maman. nous dire que ma maman faut son égal. Donc, on est riche avec toi là. Tu te prends à la Merde. tête. Parce Mais que c'est ma faute, c'est Flo qui depuis qu'il fait y a eu tout la ça. paix entre Quand on Flo parle, et je dis Lolo, avec on Tata, voit je vais maintenant faire les une vrais sacrée. visages des gens. Tu vois Waris Depuis à qu'il y a eu Tata. la paix, Ça ne se depuis qu'il y a eu passera la pas. paix, on voit maintenant les vrais Il visages des reste en gens. distance. Depuis qu'il y a eu la paix. Qui se plaît, Toby, c'est qu'elle, mon général. Merde. Toby, il sait qu'il y a injustice. Lui. Mais attendez, je vais parler un Moi, petit truc. Regarde, qui me plaît, Waris. Toby. Attendez un peu, je vais descendre. J'envoie un message à Waris parce qu'il est dans le direct. Moi et Waris, on peut se comparer d'âge. Waris, regarde comment toi tu entoures toujours les enfants et tout. Les abeilles, ce ne sont pas tes gens. C'est les gens de Flore. Le mien, c'est pour tata, Lolo. Les gringalés, c'est pour. Tu cherches quoi? Non, Crie ta part. il veut Même parler. Toby, là où Toby est là, Il veut Toby a ses parler. gens.
Priscalina, ces gens. Cris, t'as pas de monde. T'as pas de Nkwandenge. Ta maison est remplie avec de Nkwandenge. Ce sont de ce fait que la gendarme embarque chez toi. Tu vends le piment chez toi. Les anous, plein de sacs d'anous qui dort dans ta maison. Oui. C'est ici la surface. Tu veux venir en combler toutes les femmes sur Facebook. Tu es homme. Tu as le Bangala. Le Bangala ne peut jamais représenter le poussi. Tu as compris? Va chercher ton monde. Ton monde, c'est Sodome et Gomorre. Laisse-nous en paix. Non, mais on en a mal de te voir. C'est tellement énervé. Tu es des enfants. Toby ne t'aime pas. Je dis que tant que tu es derrière Toby, Toby, c'est mon petit. Tu ne seras jamais avec Toby. N'importe quoi. Le Flore vient de te parler sur le cas de Nicole Kétia. Il faut l'appeler Mafo, dorénavant. Petit perdu. Merde. Bonjour. Bonjour, maman, bonjour. Bonjour, Tobichou. C'est moi qui partageais la... Je veux juste vous donner un petit soco aussi. Après, oui, moi, je reste maman, en bas, j'écoute. Hein. Donne le soco, maman, c'est notre hein? Pas. C'était pour dire que, n'est-ce pas, comme on parlait l'autre jour, là, par rapport à Flore, non? Voilà. Même Aïcha Kamouad a publié sur sa page. Donc, je venais te dire ça, que même Aïcha a publié par rapport à Isaac Amdelitali. Qu'elle a insulté sa mère fatiguée. Elle l'a insulté elle-même fatiguée. Mais sur les réseaux sociaux. Tu vois alors. Quand on dit que Isaac, c'est un poison, elle s'attaque à tout le monde et c'est elle qui est la première à venir pleurer sur les réseaux sociaux. Voilà. Maman, c'est pas la fuite, elle n'a pas encore pleuré. Elle va pleurer plus que ça. Et Aïcha a bien dit ça, que vous dites que Flore de Lille a insulté sa mère, elle a fait ceci, elle a publié les voices que Flore, la mère déjà quand même a envoyé. La fille là, elle-même m'a lavé ici, elle a lavé ma mère, or que je ne la connais même pas et je ne peux pas lui donner la visibilité. Ma soeur, oui. Ma soeur, le problème qui est pas c'est qu'on veut me tuer parce que moi j'ai dit la vérité, tu comprends un peu. Flore n'a jamais insulté la mère de Nicole, c'est Nicole qui a insulté ma Anna. Oui. Les mamans qui ont appelé, qui donc, maman a appelé pour dire qu'il était à TikTok. Oui. Nicole a insulté. Nicole a fait monter les gens pour insulter. Jamais, Toby. Renvoyez la demande. Renvoyez la demande. Ça va te suivre. Partagez le tout ce que tu as fait. S'il vous plaît, partagez le direct. Tout ce que tu as fait. Le karma va te suivre. Décrypter les lives qu'on a lu. Okay, Toby, s'il te plaît, fais-moi descendre. J'entends, ça fait deux voix. D'accord. S'il te plaît. Je suis en bas. Non, c'est ok. Je te laisse partager le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je vais dire que moi-même, je vais monter les gens contre toi. Tu vas lire. C'est ça. Moi, ma voix porte. On a aussi Faya. Je suis remonté pour parler, pour répondre à Shalon Jumeau. C'est qui s'appelle Inkas Lachiko. Je vais vous dire, je dis son plan. Elle était arrivée chez la Mafo parce qu'elle voulait lécher la Mafo. Parce que comme elle entend que la Mafo est lélée, elle s'est mariée même pas 3 jours de mariage. Le blanc a fui. Elle a carré sur le bangala de blanc. Blanc a dit que mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quel genre de crapaud? Parti dans le mariage de Élise Bangala. Aller lécher Élise dans les toilettes. Arrivé maintenant, on dit que non, Coco, que tu as laissé la main fort, elle dans sa tête. Non, j'aime Flore, j'aime Flore, pour aller lécher. Elle parle de robot, elle parle de robot. C'est là, c'est le robot. La main est ignorée totalement. Elle parle de robot. La main va ignorer, oh, la honte de ça. Oh. Le robot. Maman, prends ta place, on n'a pas besoin de ça. Tu vas souffrir de voir les deux femmes là à l'aise. Oh, la paix qui gâte. La paix, rien que la paix, ça ne chauffe pas. La honte de ça, le team de Koutina. Maman, regarde comment elle est petite comme quoi. Hi. La honte. Maman, ni venu. On t'a défabriqué. Maman, tu ne coupes plus le direct. Tu ne coupes plus. Le goût de ça. Je suis sur vous. Une à une, mon temps de régner. Moi, maman, Naïboga. C'est ça qui est ça. Ouais, mais les gars, maman, Naïboga. Non, mais franchement, je suis tombé en transe, mes gens. Je suis tombé en transe. Moi, je ne comprends pas les gens. Hein? Qui demande l'argent à un team? Ils ne te donnent pas. Les appels n'ont pas soutenu qui dans la toile. La vérité est bonne à dire. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais dire, moi-même, c'est là. Je ne suis pas parfait. Mais au moins, moi, j'ai le comportement que beaucoup dans la toile n'ont pas. Je suis l'homme le plus droit de la toile et le plus véridique. Parce que moi, j'ai à dire, je ne contourne pas derrière. Mais vous êtes des serpents à deux têtes. Vous êtes des serpents à deux têtes. Les appels n'ont pas soutenu qui dans la toile ici. Ils n'ont pas donné à qui?
Non, mais franchement, il ne faut pas être ingrat. Il ne faut pas être ingrat. Quand on vous donne une fois, deux fois, c'est bon. Ce n'est pas l'habitude. Tu as demandé le iPhone. Toi-même, tu as bien dit que tu as un mari qui donne l'argent. Tu as un mari. Mais que ton bindaïeur te donne l'argent. Que ton mari te donne l'argent. Tu as dit que tu as un mari. Non. C'est toi qui as. Tu m'avais même lavé ici par rapport à Flore. Tu avais dit que non. Ma foi, toi, c'est bango, bango. Mais de jour aujourd'hui, tu te permets de faire les posts. Même la tête, c'est même le partage, même pas tes directs. Tu vois alors comment toi-même tu es parti dans ton. Dans quel mois dans ton film. Parce que moi, si je m'assois, je dis bon, t'es cassé, vous des femmes. Et bon, je lui partage le direct. Et moi, tu es néant. Tu es néant comme ça. Comme ça, néant. Tu es néant comme ça. C'est toi qui te lèves aujourd'hui. Maman, je suis tombé en transe. C'est toi qui te lèves. Tu encourages Nicole. Qui insulte ma Anna. Tu avais dit cela que, oh, on ne touche pas à ma Anna. Donc, si tu dépasses qu'aujourd'hui, tu te lèves, tu acceptes que Nicole dit que ma Anna touche la tuberculose. Tu es fier d'entendre ça. Elle dit que les pieds de ma Anna sont pourris. Donc, tu es content. Tu es content. Non, vous pouvez tuer, vous tuez, vous partez au deuil. Vous tuez, vous partez au deuil. Il faut qu'on vous dise un peu les vérités parfois. On manque, on est mendiant. Tu mérites une team pour la tête, c'est normal. Tu mérites une team comme ça, les mendiants. Tu mérites une team de mendiants. Tu mérites d'être dans la team des mendiants. Toi, voilà, tu as eu des problèmes dans ton logement. Tu as eu des problèmes avec ton bailleur. Tu as eu des problèmes. C'est quand il contrôle tes papiers qui constate ton nom. Ce n'est même pas ton nom. Waris loue la maison au nom des papiers du mari qu'on appelle le copain qu'on appelle Anita Ndié. C'est son mari. Avec sa soeur Chivani à Beaumont. C'est le mari qui porte mettre le nom. Parce que Waris ne travaille pas. Il n'a pas les fiches de paye pour prendre une maison. Lui qui encourage Nicole Audio, Estema, Anna et Flore. Il ne travaille pas. On a pris les fiches de paye. C'est pour le mari de Chivani à Beaumont. Ils ont mis le nom pour dire que non, on loue pour le donner. Mais malgré ça, il ne ferme pas sa bouche. Il ne ferme pas sa bouche pour la mendicité. Tu m'as lavé, c'est que ton bichou, oh, tu es hypocrite, tu es bipolaire. Bon, j'ai accepté, non. Mais toi-même, à l'autre, ce que tu fais là, alors, c'est même plus que la bipolarité. Ça, c'est à la sorcellerie. Ça, c'est être sorcier. Ça veut dire que tu es sorcier. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Voilà Nicole. Elle et moi, c'était ma grande soeur, non. Mais quand elle s'est appris à Flore, justement, et ma Anna, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai tapé sec. Quand ma pépé a partagé là où Nicole insultait ma Anna avec Flore, qu'est-ce que j'ai dit que Flore a partagé? Et là où elle a tort parce qu'elle a partagé, là où Nicole insultait, elle a partagé avant d'effacer, j'ai dit la vérité. En tout cas, ça pensait à me ramasser. Nicole même a insulté Anna parce qu'elle a dit la vérité. J'ai dit la vérité. Concernant maman Lily, il n'y a pas de fumée sans feu. Si les mamans Lily et toi, il y a eu un problème, ça veut dire que toi-même, tu as parlé, tu as fait le combo ça. J'ai dit la vérité, j'étais énervé. Eh mon petit frère, donc si tu pètes sa sang, il va humer, ça sent le mambo, n'importe quoi. Tu pètes sa sang, bien, ça te pleure pas, il m'en fout. J'ai dit, et devant tout le monde, j'assume mes propos. Flo n'a jamais insulté ta mère, parce qu'on ne comprenait pas, hein. Flo ne fait que remettre les bosses de ta mère. Et c'est les bosses là qui te touchent. Comment ta mère demande le matelas? Elle demande la rien pour boire le tapioca, maman. Même le tapioca, comment on va lever à 5 ans, soit en 15. Ta mère demande pour manger. Tu es en Europe depuis 7 ans. Hein? Tu es en Europe depuis 7 ans. L'autre qui est là-bas, à Mande la Jolie, le gros porc, Pipiro, qu'on appelle Waris ici bâtard, il t'encourage dans la bêtise. Donc tu es un juif, ma Anna. Lui, aujourd'hui, les filles se réjouissent. Il dit que Nicole, soutien total. Donc tu soutiens Nicole aujourd'hui, toi. Elle est justement Anna. Quand on va me la comprendre maintenant que donc, comme Flo. Et mine de rien, Flo est très maligne. Je vais vous dire une chose. Flo, c'est ce que vous voyez là. Elle est très maligne. Ton anniversaire n'est pas parti. Pose-toi les questions. Elle ne manquait pas le temps pour ne pas aller. C'est pas qu'elle n'a pas le temps. Elle pouvait même passer faire un acte de présence et partir et rentrer. Elle n'a pas fait pourquoi? Pose-toi les questions. Pose-toi les questions à partir d'aujourd'hui. Vous êtes les gens qui venaient dans Facebook pour chercher le beurre derrière les gens. Tu n'es pas différent de Dolé Miondo, Waris.
Tu n'es pas différent de Dolen Yondo. C'est les mêmes gens. Dolen Yondo est venu comme toi, derrière Flore. Mais Flore a été sage. Pourquoi on dit que Flore a la sagesse de la vie réelle et elle a la sagesse du village. Elle a l'intelligence et la sagesse du village. Les deux choses, elle a ça. Dolen Yondo n'a pas eu ce qu'elle voulait derrière Flore. Là, voilà, on a fait des insultes Flore, non? Elle compatit là où on a insulté Mahana. Dolen Yondo qui disait que Mafo, chaque les Tobichou, on fait comme ça. C'est là, voilà, aujourd'hui, on a fait des insultes Mafo, non? On dit souvent que le drapeau de la Chine, pour voir sa vraie couleur, mets ça dans l'eau. Mets le drapeau de la Chine dans l'eau, tu verras sa vraie couleur. Parce que quand il est sec là, tu ne vois pas. Prends le drapeau de la Chine, tu mets dans un seau d'eau, tu vas voir sa vraie couleur. Ça n'a même pas duré. Vous tous là, qui avez dit que non, ma foi, on est avec toi. Vous voilà aujourd'hui en train d'insulter, non? Même Dorcas qui n'a pas fait semblant d'appeler Flore. Tu vois que Flore est bête. Elle n'est pas bête. Vous êtes les gens qu'on appelle que vous êtes les souris dans les bateaux. C'est vous, les souris dans les bateaux. C'est vous les souris dans les bateaux. Vous encouragez Nicole aujourd'hui. Mais quand ça va cuire Nicole, n'allez pas pleurer. N'allez pas pleurer. Voilà Manganda aujourd'hui qui supporte Nringa. Quand elle se rappelle seulement au coup de poing qu'on a mis son œil, elle a seulement le droit et le devoir de s'appliquer. C'est ça ou ce n'est pas ça. Voilà une lettrée analphabète qui vient tenir. Donc elle vient. Hey, quelle honte. Une analphabète de renommée internationale. La PDG de la TK Bangala, la directrice même, la seule femme qu'on a invitée à la présidence dans les couloirs, dans les jardins de la présidence. Elle est partout, elle est s'appeler avec ses bateaux, elle est rentrée. Elle vient commander les vieilles choses comme les vous qui savez au moins se lire et écrire. Elle vient vous déposer jusqu'au bout de nom gardienne. Dolène Micheline Pompée. On vient te mettre gardienne. Je te dis que tu es gardienne parce qu'à l'intérieur de la TK, c'est une team qui est petite. Ils n'ont pas une grosse maison. On t'a trouvé le poste de gardien, parce que ça part avec toi. Au moins, c'est dehors, il y a de l'espace. En tant que gros mamie, fais comme tu es. Tu vas servir. Donc, tu vas servir seulement pour bloquer les entrées. De toute façon, ta patronne Gringa là-bas, sa tête est d'abord bloquée. Elle est bloquée aujourd'hui, demain et après-demain. Vous voilà aujourd'hui, hein, ça va vous rattraper. Mana. Vous allez vous rappeler de mes directs. Là, vous allez dire aujourd'hui, vous tous là, c'est les gens qui avaient moqué derrière Flore. Vous êtes partis derrière Flore. Mais c'est méchant. Mieux encore, même moi, même ce que j'ai fait l'autre jour, tout le monde a vu, on a vu que l'on tenait comme ça. Vous êtes partis. Vous avez comment? Vous êtes prêts à mourir avec eux. Vous êtes avec un bango. Mais aujourd'hui, c'est vous qui les livrez encore. Non, mais franchement, ayez peur de l'homme en Europe. Là, on dit qu'un noir qui fréquente un noir en Europe, c'est un sorcier. Il n'y a pas l'amitié entre noirs en Europe, c'est les connaissances, c'est les camarades. Pour appeler mon ami un noir en Europe, il faut avoir peur. Le titre mon ami ne se donne pas à n'importe qui. Ça ne se donne pas à n'importe qui. Toi, Dolen Yondo, tu peux sortir les vidéos ici où tu donnes les droits à Flore de Lille. Tu as léché les bottes de Flore. Flore t'a vu venir. Si Flore était bête, c'est vrai. Donc, votre but était de venir l'enfermer dans son royaume. L'enfermer. Elle a un team qui ne dort pas. Et ça vous a raté. Vous tous là, vous avez profité les abeilles ici. Vous avez profité. On peut encore retirer Flore. Seulement pour Mahana, personne d'entre vous ne devait encourager Nicole à insulter Mahana comme elle a fait insulter là. On appelle ça la méchanceté. La sorcellerie. C'est ce que vous êtes en train de faire là. La sorcellerie n'est pas seulement dans le noir. Hein. Même en journée, la sorcellerie est aussi visible à l'œil nu. Dolen Yondo, Waris, les mêmes gens, le même bateau. Quand elle me rappelle, il n'y a même pas moins de 2 mois, tu m'as appelé au téléphone pour me dire comment Flore a mis la perte de l'eau. J'ai dansé, dit que non, c'est bien ça. J'ai un bien applaudi comme ça. Or que par derrière, tu préparais les coups. Tu as vu, non? Tu es parti derrière Flore. On dit que Tout ce qu'on fait dans le noir sort dans la lumière. Tu n'as même pas pu avoir 10 000 abonnés. Ton anniversaire même, ils t'ont épaulé. Tu as porté une combinaison, les fesses. Tes fesses ça avait fui dans la combinaison. Tu étais comme Mark Dalton, la femme la plus musclée d'Angleterre, avec les fesses comme la planche.
Vous voilà aujourd'hui. Voilà Dolem Yondo. Elle n'arrive même plus à s'exprimer. Elle est en comme le bulldog. Vous voilà aujourd'hui. Vous voilà aujourd'hui. Vous voilà. La paix, depuis que Flo a fait la paix avec Lolo, vous ne dormez plus la nuit. Voilà ça. Hein? C'est vous-même qui avez montré. C'est après la paix qu'on a vu les vrais visages des gens. Oui. C'est après la paix qu'on a vu les vrais visages des gens. Et voilà ça que les abeilles et le Lomania, ils ne forment qu'un aujourd'hui. Ils ne forment qu'un aujourd'hui. Voilà ça. Marc Dalton d'Angleterre, c'est Waris. La steppe, elle est musclée en haut et plate en bas. Les fesses sont plates comme la, c'est comme la planche. Waris, c'est comme ça, comme la planche ici. Derrière, elle est plate comme ça. Vous avez vu, non, laissez-moi, pardon. Vous avez vu. Elle a porté la combinaison pour l'anniversaire, maman. Avec les rastas qu'on a piqué, on a compté que les graines de cheveux piquaient les rastas. Yay, maman, la sorcellerie d'Armeta. La sorcellerie d'Armeta. Vous êtes fort, maman. Les gens ont juré aux abeilles ici. Les abeilles, chassez les bateaux chauds, chassez tout le monde. Vous avez fait le spectacle aux abeilles ici pour venir faire comme ça, maman. Non, mais franchement, Meta, on doit vous sortir le canal d'or. On doit vous sortir un canal d'or. Pour un dollar, Miondo, tu mériquais que tu sors d'un couloir comme ça au hasard. On te met un coup. Donc, tu ne vas même pas savoir là où le coup là va sortir. Tu vas comment ton. Parce que pour Dolem Miondo, non. Le barrette avait été. La cravate va plus la bagarre. Elle va vous dépasser. Calculez quelle marche pour entrer dans la voiture. Elle va se baisser comme ça là pour là, ouvrir la voiture. La voiture là. Vous mettez un coup. Pim, le bœuf est par terre. Par exemple, pour prendre le bœuf, non. C'est la technique. C'est la technique. Wari, c'est un salaud que moi-même j'ai bloqué de mon mur. Une chèvre. Mais franchement, voilà les gens qui ont dit aux abeilles là que merde. Moi, j'ai rien, moi seulement. J'ai dit que maman, donc vous aujourd'hui, vous êtes tellement des bonnes personnes, vous êtes des d'éternel. Mais aujourd'hui, c'est vous qui mettez le feu comme ça. Non, mais franchement, hush, c'est Flo qui avait raison, maman. C'est Flo qui avait raison. Il avait dit à TikTok, tu le vois, qu'on ne l'avait pas annoncé à la soirée. Il a dit ça à TikTok. Dernièrement, il a dit ça à TikTok, le live de l'autre, là, comment on l'appelle là. Qu'on ne l'a pas annoncé à la soirée. Donc, vous voyez donc qu'il y a les. Derrière, ça veut dire que quand Flo n'est pas parti à l'anniversaire de Waris, elle n'a pas annoncé Waris à la. Maman, tu payes la table où c'est le sang, héros. La chaise blanche. Hein? Les gens qui ont payé VIP ne parlaient pas fort, maman. Va les soirées où on voit qui est qui. Prenez vos tables en VIP. Tu pourrais payer une table de. Tu as pu ton classique, mais tu vas t'annoncer comment, hein? On va t'annoncer comment. Il y avait les salons VIP. Il fallait prendre un salon. On confirme que oui. Flo a bien dit qu'il y a les tables royales. Moi-même, c'est la table royale qu'elle veut. Il n'y a pas seulement un papa, mon maman. La honte, moi, pas moi, la honte. Hein. On doit m'annoncer quand j'arrive là-bas. On doit m'annoncer pour le 2 novembre. Quand il va avoir le tombé chaud, maman, t'es où? Hein, maman? Je vais chercher le ndop. Je vais porter le ndop le jour là. Voilà. Toujours derrière là, en train de vouloir montrer que vous êtes tellement important. Voilà ça aujourd'hui. Non, mais franchement, hein, vous avez déçu. Même Flo de Lille, là où elle est là maintenant, quand elle parle sur ton mur, même, elle est même dépassée. C'est toi qui encourages Nicole qui est sa mère. Et Anawa, comme papa te dit souvent que, ben là, ça a dit, il y a les gens ici que, ben, voyez-nous, passe-toi, sois raison, maman. Yeah. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu, c'est là dehors, maman. Même quand on veut même changer de visage, eh, faisons-le. Yeah. Tout le monde est la bienvenue dans cette soirée, mais nous n'acceptons aucun chantage. Car cette soirée est pour s'amuser ensemble. Mais oui, Flo a bien dit que même ses ennemis sont invités à la soirée. Mais il y a deux personnes que, même si tu achètes le bien, non, ça va seulement se brûler dans les mains. Ils ne vont jamais me voir. Même si tu appelles, le nom va tomber au répondeur. Ça va tomber au répondeur.
profondeur. Nicole, elle m'avait dit, Nicole, on dit que tu supportes. Nicole m'a dit à moi que mon petit frère, je te supporte Aurora. Bah, t'as moi, je prends ma belle lui. Parce que j'ai sauvé Nicole à TikTok. Les Nibakis, les Minimi, non. Les Solange, ils ont fini avec Nicole. Vous voyez, on m'a promis la plainte à TikTok. Pourquoi? Avec la bagarre. C'est parce que j'ai fait du sale à TikTok. Nicole vient m'appeler. Elle me dit, Toby, je suis pas comme toi. J'ai joué les voix ici, non. Je voulais jouer les voix. Quand Nicole, c'est Nicole qui m'a appelé au secours. Elle demande les balles. C'est Nicole elle-même. Hein? C'est Nicole elle-même. Nicole vient appeler au secours parce que c'était fort. C'était fort. Et les gars ont fini avec Nicole. Ils ont fini avec elle. Hein? Cherche-moi la vidéo, cherche-moi la photo de celle-là, de Solange le volcan, pardon. Je vais faire ça fait demain. Je vais la mettre au fond de crème, je vais la laver correctement et bien. S'il te plaît, pardon. C'est elle qui vient demander les balles. Parce que le temps, elle traitait les Solange là-bas. Mais le but de l'État, ce sont mes gens. On va pouvoir s'arranger. Si elle m'assoit, j'ai voulu m'asseoir à TikTok aujourd'hui pour la laver, c'était un petit TikTok. L'autre a dit que non, laisse. Parce qu'il faut qu'on la refasse la même chose. Ce qu'elle fait à Flore, moi je vous ai dit. Ne dites-vous que laisse. Quand vous avez fait, moi je gâte en vrai. Je gâte en vrai. Même dans sa wifi, moi je dois prononcer ton nom. Hein. Moi, tu étais connu ici là-dedans. Il fallait te cacher qu'on ne parle pas. J'ai dit, on va contrôler les fesses des Benzikineurs au Cameroun. Même dans sa wifi, on va contrôler les fesses des Benzikineurs. Tout Bépanda est touché. Tout Bépanda. Comme le lot au Cameroun actuellement, c'est là. Il faut que vraiment elle essaye de voir le maire de Douala 5e. Elle demande au maire que est-ce qu'on peut lancer une campagne de dépistage pour les quatre lettres en principe les Benzikineurs. Parce que beaucoup de Benzikineurs maintenant marchent avec les pantalons, la poche est percée parce qu'ils veulent gratter les mimbans. Le colo-colo accompagné des quatre lettres, c'est grave. Mais dans sa wifi free access. Notre password a déposé une pandémie pas possible dans tout Douala. Maintenant, pour la Bépanda, il faut porter que les cache-nez avec les gants. Il faut porter les gants avec les cache-nez pour aller à Bépanda. Bépanda est touché. C'est grave à Bépanda. C'est chaud là-bas. Bépanda est touché. C'est grave. Même dans sa wifi a déposé la marque de quatre lettres. Sa fille est en train de pleurer, sa fille en France, en Italie, en train de... La mère est en train de se décomposer en Afrique, la fille se décompose en Europe, elle devient folle. Quand tu vois ta fille, Mengasa, ta fille a les écailles de poisson sur la peau, mais tu comme les mamans font souvent, cherche les produits, le kawan jaune avec le manyanga, tu écrases, tu envoies ta fille, une fille qui a la gueule en Europe, non mais franchement, c'est le monde dans l'envers, elle marche dans le bus, elle se gratte, elle se gratte en Europe. Je suis même sûr qu'elle marche avec la cuillère pour se gratter. Je suis même sûr. Cherche les produits du village. Tu envoies ta fille. Menga sa wifi. Cherche les produits. Tu envoies ta fille. Et pour le village. Comment ta fille dort sur un petit lit. Les lits qu'on se compte les enfants au pays, maman. Les lits de circoncision. Hein? Ta fille dort sur un petit lit comme ça là. À l'église. Imagine le bruit de la cloche, maman. Le temps que tu peux faire la guerre là. Tu dis que oh la lionne a fait. La lionne, même quand tu vois, la lionne au pays, quand tu regardes. Vous savez qu'il y a le Congo, ça c'est le Congo, ça. Hein. Le clash, c'est le clash. Mais si on dit la vérité, quand toi me mets ça, tu appelles, tu marques, tu dis que la lionne a fait que. Quand tu vois la lionne elle en direct, tu vois ta fille en direct, tu ne trouves pas que la lionne qui est au pays là, c'est le 12h de ta fille. Ta fille est minuit. Ta fille est minuit. Si on met la lune, là, en Italie, là, maintenant, elle a fait des ravages. Ta fille arrive en bain. Les blancs l'ont fui. Elle a pris que l'Onkassa. L'Onkassa. Donc, c'est l'Onkassa qu'elle a vu le Zébé. Donc, ta fille a laissé le. Quand on vous dit qu'on dit que le naturel, quand on chasse le naturel, il revient au galop. L'Onkassa l'ont traumatisé au désert avec les Bangalas. 50 Bangalas. Là, voilà, tu reviens encore en Italie avec l'Onkassa. Donc, c'est une histoire d'amour. Elle ne peut plus s'en passer d'un Nkassa. Les Nkassa ont traumatisé la fille de Concha. Concha est dépendante. Donc,
C'est-à-dire que ma peau de caïman, Nicole peau de caïman, elle est en transe avec l'Inkasa. L'Inkasa lui font vibrer. Elle a fait son choix pour l'Inkasa. Maman, elle a fait son choix. Les gens en plein, bah, l'été qui arrive déjà, les odeurs dans les trams, dans les bus, maman, nous sommes finis avec les odeurs. On est mort avec les odeurs. Et il y a l'été et l'hiver. On est mort avec les odeurs. L'Inkasa n'aime pas l'eau. Nicole, tu fais comment quand tu avais l'Inkasa, maman? Parce que l'Inkasa, lui, il fuit l'eau. Hein. L'Inkasa a au moins 120 parfums dans la voiture, mais dans le sac, pour se parfumer. C'est quand il baisse le casson que tu confirmes qu'il y a un moment, l'odeur, là, c'est la magie. Même la souris morte ne sent pas mauvais comme ça. Et comment on va t'appeler, Isaac, on peut te fâcher, maman? Toi, tu es fâché. Moi, je m'en fous de Gringa. Qu'elle soit en direct, je m'en fous. Ça ne me concerne pas. Quand il défend une personne, je ne suis pas moi les racailles. Ici, là, on défend ma faute. Donc, si l'analphabète, il est très en direct, ça ne me concerne pas. Je ne veux même pas savoir. Ça ne me regarde même pas. Laissez l'analphabète, là, parce qu'on dirait là-bas. Une femme qu'on a dotée avec les whisky de 1 euro. Pardon. Laissez ma whisky de 1 euro comme ça. On a couru la porte avec le whisky de 1 euro. Avec le soya de CM sur la table. On a vu. Voyez, mon tu toquais porte. Le soya, le vin de 1 euro avec le coquille. Hein? Même si elle demande pardon à Flo maintenant, elle est touchée. Nicole est touchée. Quelqu'un qui marche en Italie, vous voyez l'Italie où elle est, maman. Il y a encore même doigt là. Hein? Vous êtes là où elle vit, maman. Quand elle met la vidéo par terre, elle manque le goudron là où elle vit là. Elle est excusée, c'est l'Italie là-bas. Parce qu'il y a l'Italie derrière l'Italie, hein, maman. Moi, j'étais en Italie, oh. J'ai montré mes vidéos ici, mes photos ici, non. J'étais en Italie, hein. J'ai montré mes vidéos, mes photos ici. J'ai montré l'Italie, comment était-moi en Italie, maman, on m'a vu. J'ai montré ici, quand je prends mon téléphone comme ça, je dis que bon, j'étais en Italie. Je peux prouver que nous étions en Italie, je montre les vidéos. Mais là où elle nous montre, c'est pas l'Italie, hein, maman. Et il y a l'Italie derrière l'Italie. Et il y a l'Italie et l'Italie, maman. Quelqu'un dort à l'église, vous ne la conseillez pas. Conseillez la fille là. Conseillez cette fille. Conseillez cette fille. Vous ne conseillez pas comment le bruit de la cloche traumatise. Conseillez vraiment cette fille. Cette fille est en train de se mettre dans la gueule du loup seule. Elle se met dans la gueule du loup seule. Je ne sais pas moi les pleurs après. Les pleurs du mollet. De pleurs après, oh. Parce que quand ça va arriver, ne dites pas après que oh, on n'avait pas dit pourquoi on n'avait pas conseillé. Quand la fille là s'enfonce, conseillez cette fille là, elle s'enfonce devant vous, vous ne parlez pas. Conseillez la fille là, oh. Conseillez la fille là. Donnez-la les bons conseils. Les très bons conseils. Conseillez cette fille. Franchement, conseillez-la. Une fille qui est là comme ça, là, va sa vie en Europe. Sa vie est comme les fesses du chien. Une fille qui n'a pas de situation. 7 ans en Europe, maman. Mieux encore rester au pays, maman. Mieux encore tu restes au pays. 7 ans en Europe. 7 ans. Même pas un dîme dans la poche pour aller porter plainte. Il faut demander au secours à l'aide. Pour avoir 10 000, 7 ans d'Europe, maman, moi-même qui suis assise là, je n'ai pas manqué. On dit souvent que s'il y avait les problèmes, on partait au pays, il y avait les problèmes qui étaient de 100 000 parfois. Parce que 50 000, je n'ai pas les problèmes de 52 000. Je portais 100 000 à mon temps. Voilà maintenant ici à Benki, je suis là. Je n'ai pas ces problèmes-là. Les 100 pour moi maintenant, quand il y a 100 000, je ris même seulement. Je n'ai pas moi les problèmes là. Ce que l'État me donne d'abord, c'est le double, le quadruple de ce qu'il y avait au pays. Maintenant, mes jobs maintenant, que moi je fais, on se moque de moi ici que oh, tu parles au shop, tu parles partout. Moi, c'est mon pointage. Le travail, l'argent n'a pas de couleur. Même si tu es président de la République, moi, je suis manœuvre. L'argent que je gagne à la fin du mois,
c'est le même ayam que tu manges avec. Et ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. L'argent n'a pas de couleur. Que tu sois ingénieur, moi, je suis laveur de sol. Le plus important, c'est que c'est les fiches de paye. Tout se résume sur les fiches de paye. Tu as tes fiches de paye, j'ai mes fiches de paye. Et ça ne chauffe pas. Tu as un salaire, j'ai un salaire. Je m'en fous, ton salaire peut acheter les jets privés, je m'en tape. Tant que mon salaire me met à l'aise dans le pays ici, je résous mes problèmes avec ça, ça ne me dérange pas. Mais là, aller demander 10 000 aux followers pour aller porter plainte, on appelle ça un sacrilège. Sacrilège. 7 ans d'Europe, tu demandes 10 000 pour aller porter plainte à une femme qui te dépasse. Parce que Flo te dépasse. Flo dépasse ta mère, Menga ça lui fille. Même à ça, lui fille, conseille ta fille. Hein? Conseille ta fille. Puisqu'elle a dit que tu as fait la chirurgie, c'est pas donné à n'importe qui. La chirurgie n'est pas donnée à n'importe qui. Normalement, quand on parle de chirurgie, les affamés ne parlent pas. Les affamés ne parlent pas. Si moi, j'ai mon argent et qu'il y a un truc qui m'énerve un peu, qui peut faire la chirurgie, je fais ma chirurgie. Parce que quand on meurt, le corps là, ça pourrit. Mon corps, c'est ma part. Mon corps n'appartient à personne, ça appartient à moi-même. Donc, si je suis là, moi-même qui suis là, qu'il y a un truc qui me dérange, je peux faire ma chirurgie. C'est mon corps, c'est mon argent. Est-ce qu'elle a voulu faire avec? Elle a ses abeilles qui lui donnent. Ses abeilles lui donnent. Toi, Nico, tu t'assois. Tu dis que oh, sa mère pas au pays, elle a le passeport français. Flo a beaucoup fait pour sa mère, on a vu ici, la vérité est bonne à dire. Flo est l'une des personnes que elle prend soin de sa mère. Sa mère est au petit soin. Ma elle ne manque de rien. C'est une grand-mère qui est épanouie. Elle a sa petite si ma elle était en Afrique, c'est qu'elle ne vit même plus. Voilà. Mais comment elle est redevenue. Il y a récemment, avant là, on voyait Mahana avant, elle était bizarre. Mais regardez, madame Mahana, maintenant, si Mahana a pris bonne mine, elle a maintenant une très bonne mine. Elle est à la maison avec sa fille. Sa fille, vous parlez de n'importe quoi. Flo est en direct, mais elle avait sa mère à la maison. Tu te lèves, tu viens parler de n'importe quoi. Elle avait sa mère à la maison. T'as pas de mère où? Ta mère va monter quand? T'as dit que Flo ne veut pas de sa mère, non? Flo fait le live. Sa mère est à la maison. Donc, Flo est à la maison avec sa mère. Donc, écoute bien. Flo est avec sa mère à la maison. Elle est avec sa mère à la maison, mais elle est en direct. Toi, tu n'as pas de mère. Elle est là-bas. Elle partage la coucouluche. Les quatre, c'est les Bensikineurs. Ta mère, c'est la montgolfière des Bensikineurs au Cameroun. Les Bensikineurs sont en transe avec les quatre lettres. Ils n'arrivent même pas. Ils sont perdus. Parce que Menga sa Wifi a fait le partage. Elle a fait un partage qui n'a pas de nom. Et quand on va vous reprocher, vous allez ouvrir vos bouches, vous allez dire, eh, on a fait ceci, on a fait cela. Ta mère, c'est le pape. Ta mère n'est pas le pape. C'est ta mère qui a ouvert sa bouche ici pour venir dire que lui, il m'en fout. Vraiment, je ne voulais même pas que. Vraiment. Et ma chérie, ferme un peu ta bouche. Ta bouche est comme la lame de rasoir. Comme les petits guêpes là. Les souris. Ta mère dormait. Écoute comment ta mère se plaint. Tu n'as pas honte. 7 ans en Europe. Ta mère dans une maison là où on ouvre la souris ou la mamie, maman. Même qu'on est pauvre, hein, c'est pas à ce niveau. Même les souris manquent le respect à ta mère au Cameroun. Hein. Les souris manquent le respect à ta mère. Yoï. La souris à ta mère, le sac, elle marche avec. La souris a mal d'un côté, on voit que c'est la souris qui a mal d'un côté. T'as même les animaux manquent de respect à ta mère au Cameroun. Ils ouvrent la mamie, bang, ils sautent sur le lit, bang. T'as même son cousin la chasse dans la maison. Donc les cousins chassent ta mère, toi tu es en Europe. Tu fous donc quoi en Europe alors? Moi, Nika, je suis en bain, tu es en bain. Quel est ton bilan de 7 ans en Europe? Tu devais faire une formation, un permis de conduire. Parce que même moi, je dis cela. Soit c'est la formation de l'année prochaine, soit c'est mon permis de conduire. Donc, mon choix est à moi-même. C'est ma décision. Je ne fais pas les deux en même temps. Ma tête n'est pas l'ordinateur. Je fais d'abord un.
J'ai dit soit le permis, soit la formation. Et ça ne chauffe pas. Ton bilan de 7 ans en Europe. Ton bilan de 7 ans ici. Bon, voilà. Moi, c'est qui suis là, non. Gardez le prochain 19 ans. Il fait mon permis. Il fait mon permis d'abord. Voilà mon bilan à moi. Mon permis. Je finis mon permis. J'enchaîne avec ma formation. Et quand il sort là-bas pro, je commence à manger mon argent. Alors, le vrai argent, pas les miettes que j'ai maintenant ici. Ce n'est pas les miettes maintenant. Donc, quand on te demande, contient, quel est ton bilan à 7, de 7 ans en Europe? Flore, quel est son bilan de Facebook? Là, voilà, aujourd'hui, elle ne souffre pas. Sa maman ne souffre pas. Voilà Lolo qui est au Cameroun. Lolo est là-bas, elle voyage comme elle veut. Elle s'amuse, elle fait ces choses. Voilà Lolo qui voyage. C'est le meilleur sort là derrière elle. Toi alors, ta compte à fan alors est où? Où sont tes comptes à peur? 7 ans en Europe. Ta mère dort la langue du chat au Cameroun. Elle partage le virus partout. Sur les bersiquineurs. Ta mère fait le marché de 1000 francs. Elle mange le riz du chien. Elle dort la langue du chat. Elle mange le riz du chien. Ta mère appelle un boc avec les bersiquineurs au chantier. Elle a livré partout. Que ta mère rentre au village. Parce que ça sert quoi d'avoir un enfant qui est en Europe, toi même ta vie est comme la Basco. Mais rentre au village. Envoie alors à ta mère rentre au village. Elle n'a pas commencé à faire les sions. Une grand-mère qui met le noir dépasse les cils. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Parce que pour rester les meilleurs, vous êtes champions. Même ta mère doit aussi bouffer le djangui. Hein. Elle doit bouffer le bon djangui. Quand toi-même tu vois ta mère comme ça, Nicole, mais envoie les produits à ta mère, non. Toi-même, ta peau est d'abord comme la peau du serpent. T'as pas le poids comme le caïman pour ta mère sera comment? Le chien ne fait pas le chat, maman. Ah, ta mère là bientôt, elle va être le Japon qui est au secours à l'aide. Comme un feu qu'on dit qu'est incendie, l'incendie a pris, on baisse le haut, qu'on baisse l'eau sur le centre qu'on est en train de baisser. Voilà ta mère là pour le maïs qu'on a brisé, ça a raté le brisage. Elle est comme un macro qu'on a raté le fumage. Elle est comme les plantations de la saison sèche. Aucune production. Va ta mère tourne en rond comme tu tournes en rond. Qui va alors sauver l'autre? Qui va alors sauver l'autre dans la détresse? Ta mère est en France au Cameroun, toi tu es en France, en Italie, maman. Tu es en Europe 7 ans. Ta mère te parle partout comme mauvais esprit dans les maisons, de maison à maison. Ce qui est marrant, c'est qu'elle parle mal. Fais-moi ta bouche. Tu sais que Nicole, non? Nicole était tiède. Hein? Vraiment, Nicole était petite. Nicole a fait ceci. Hey, franchement, hein? T'as gâté le parent là-dedans, maman. Hush, ta mère t'a baissé ici. Si on connaît un peu tout sur toi, c'est ta mère, c'est pas nous. C'est ta mère. C'est ta mère qui t'a baissé. Sept ans d'Europe. 7 ans. Vos mamans sont à trans. 7 ans. Vous lavez les parents déjà, et ce que vous, vos mamans souffrent au Cameroun. Non, mais franchement, 7 ans d'Europe, ta mère souffre. Même ma mère qui est avec moi ici, là, à mon petit niveau, elle est fière de moi. Parfois, elle a surpris à mon niveau, elle m'a ça, elle reprend. Ma mère ne manque pas l'argent. Hein. Ma mère ne manque pas l'argent. Ma grand-mère, qui est ici, qui a épousé un Allemand, elle ne manque pas l'argent. Hein. Mais je fais les choses ici, là, que non. Je dis que Seigneur donne-moi beaucoup pour que je puisse faire pour ma mère et pour ma grande, parce que c'est ma famille à moi. Moi, j'ai pas moi la famille. Je vais pas me présenter que non, j'ai la famille, non. Ma famille, c'est ma mère, mes petits frères, ma grand-mère. Voilà ma famille comme ça. Et ils sont en Europe avec moi. Ma tête, je ne réfléchis pas trop. Ma mère est assurée. C'est pour ça que ma mère est malade. Fais pas casser ma tête pour dire qu'elle va lui donner 25, non. Ma mère a son assurance. J'ai mon assurance. Ma grand-mère a l'assurance. Mes petits frères sont assurés. Est-ce que tu entends ça? Quand on vous dit que vous maîtrisez. Bon, voilà, moi même qui suis ici, ma chérie. Tu as parlé de moi ici. Tu as voulu me dénigrer ici. Mais tu as montré que moi, on ne me verse pas à terre. C'est moi qui verse. Je te livre devant madame Roy.
va ta vie. Hein. 7 ans. Va l'année prochaine, 8 ans en Europe. Nicole, tu es comme la forme O. Comme ils avaient chanté, un tout petit anneau, en forme O, anoméia. Donc, tu as ta vie en 8 ans. Ta vie est le désordre en Europe. 8 ans de désordre. Même quand on fait le clash, même, on le sait même d'avoir une bonne position. 8 ans en Europe, qu'est-ce que tu fous? Tu as foutu quoi? Pas de formation, pas de permis de conduire. La langue, même, tu es perdu. Tu es dans les bureaux. Hein? On parle. Bonjour, non? Yes. Oloko. Va le bilan d'une personne. 7 ans en Italie. Oloko. On va sortir le remis sur ça. On va sortir un remis de Oloko. On va te sortir un remix. Est-ce que tu entends? On va te sortir un remix. Non, mais franchement, regarde un peu ton parcours, ma chérie. Les gens ne te conseillent, ils ne t'aiment pas. Tu es avec moi, tu es parlé avec ma grande soeur. Fais comme ça. Moi, je ne peux pas m'ennoyer les gens. Je suis vrai. Je t'ai dit en privé, Nicole, n'écoute pas la bouche des gens, ni des ma pépé. Ils sont en train de t'enfoncer. Oh. Ils t'enfoncent. Voilà, compresseur. Ta patronne, prends l'exemple sur elle. Depuis qu'elle est en Europe, depuis qu'elle compresseur en Europe, tout son bilan, ma bosse. À quel âge elle vient qu'elle a une bosse? Va le bilan de ta patronne compresseur. Va son bilan en Europe. Compresseur ta patronne. S'il a produit sur sa vie, regarde avant son parcours elle-même en Europe. Avant de dire que oh, maman a pépé. Regarde son parcours elle-même. Regarde son parcours. Et regarde l'âge qu'elle a dit que ma bosse. À quel âge? Donc elle était dans un sommeil, elle dormait, rêvait. Ah, ta patronne, elle est partie prendre le seau de la ménagère qui lave l'immeuble là où elle habite pour venir dire que nous avons fait le ménage. Tu as vu? Donc ta vie, tu es en train de devenir compresseur toi-même. Ta vie est en train de finir. Voilà la lionne au Cameroun. Demain, elle peut aussi surprendre. Elle se retrouve là où on ne connaît pas. Voilà Samé qui est parti aux États-Unis. Il a dit que la France n'est rien, non? Là-bas, là où il est parti, là. Il ne connaît même pas là où il est parti. Là-bas, c'est là qu'on dirait qu'il tous même seulement. C'est la balle qui va prendre sa tignasse quelque part dans les couloirs. Et là-bas, là où la balle est sortie, que pim, là-bas, ça ne joue pas. Là-bas, tout le monde est armé, même l'enfant de 5 ans est armé. Là-bas, tout le monde est armé jusqu'aux dents. Si un peu profil, hein. Voilà, c'est un mec qui a fait là, c'est il est parti. Il a dit qu'il part aux États-Unis. Là-bas, là où il est parti, là, il va y avoir un flot de. Les amis sont partout, maman. On veut te tendre. On va te mettre la balle sur la fesse gauche. On va entendre ça, mais qui aux urgences. La fesse est perforée. Donc, Nicole, quand elle te parle, je te ramasse. Je mets tous les conseils du petit frère dedans. Pour te dire que ma soeur, là où tu es là, tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de t'enfoncer. Si tu étais une fille intelligente, c'est que tu as su comment prendre les abeilles. Mais comme tu as l'esprit de la bouffonnerie, et comme tu es encore l'ampleur d'une bouffonne, une bouffonne en alphabet, voilà pourquoi toi-même, ta vie est comme ça, là, comme le mille pattes. Là où je te coince, là où je t'enroule. Voilà ça ici aujourd'hui. Quand on vous dit, c'est que oh, je maîtrise. Voilà ça aujourd'hui. Tu as vu là où la maîtrise, ça doit amener alors. Fainéantise, bêteté, dumkopf. Comme on dit en allemand, tête percée. Ta tête est ouverte comme un réservoir d'essence percée. Regarde un peu ton parcours. Fais ton bilan toi-même. Regarde. Pose-toi les questions. Hein? Pose-toi les questions. Regarde ton parcours toi-même. Quand tu te regardes, tu dis que ouais, donc c'est moi que tu as essayé. C'est moi. Mais déjà, fais les partages. Il y a le point rouge qui sort là. Fais les partages. Quand le point où je signale pas bon, on a signalé like mon commentaire si vous lisez pour que je vois. On t'a signalé, non, comme tu partages, tu as beaucoup partagé, maman.
Attends, je mets les questions dans les commentaires aussi. Attends, je vais épingler une fois, c'est mieux. Quand je vais épingler, on va. Je vais épingler. Tu as beaucoup partagé. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. J'aime tes partages. Tu as beaucoup partagé. On t'a signé, tu partages beaucoup. Partagez le direct, s'il vous plaît, mes gens. Partagez. Merci, ma soeur. Merci pour tout soutenir le direct. C'est pour la marque. C'est pas pour moi. Hein. C'est pour la marque. On soutient la marque. Donc, tu es en train de participer pour la marque. Vraiment, merci pour ce que tu fais. Chez moi, c'est la vérité, rien que la vérité. Ça ne chauffe pas. Nous sommes tous pour l'innocence de ma faute. Et ça ne chauffe pas. La vérité, rien que la vérité. Et je vais encore dire à Nicole, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité, les escaliers. Tu es en train de finir comme ta patronne. Tu es déjà à 8 ans. À 8 ans, le mec qui est là. 8 ans. 8 ans de mbeng. 8 ans. Tu as perdu l'adresse. Tu n'as plus d'adresse. Tu n'as plus d'adresse. Pour avoir la lettre, on t'envoie l'email. Elle n'a plus d'adresse. Elle n'a plus d'adresse en Italie. Elle a perdu son adresse. L'adresse qu'elle avait, c'était sur son mari, l'arabe, l'Afghanistan. Merci pour les cœurs, Nana Lombert. Elle a perdu l'adresse, mes gens. Elle n'a plus d'adresse. Elle reçoit ses messages dans les emails. Chaque matin, maintenant, elle est obligée de courir dans les bus pour aller voir s'il y a une lettre qui est arrivée. Donc, ça passe à quelque chose social. Sa lettre quelque chose social. Elle n'a plus d'adresse. Tu es arrivé en Italie. Et fais attention, on va te retirer les papiers. C'est très facile. Fais attention. Parce que même lorsque tu as tu crois que tu fais le sale là. Les gens peuvent se lever ici. Même du camion qui a les papiers. Du camion les papiers. Il peut aller en France, en Italie, avec ta vidéo. Il va te déposer là-bas. Tu l'as traité de CDN ici. Donc tu ne connais pas ce que tu as posé à du camion, même dans son boulot. Tu ne connais pas. Quand vous parlez du n'importe quoi, vous le connaissez ce que vous parlez. Même à du camion, là, il peut se lever pas te porter plainte. Il peut tu as salué son boulot. Il peut montrer la vidéo. Tu l'as gâché. Tu as salué ton travail. On est en Europe, maman. Nous, on est arrivé ici en Belgique. On a commencé à lire les lois. En Allemagne, ici, on va te remettre. Ok, lis bien d'abord ici. Lis bien. Lis bien. C'est comme l'Union européenne. Lis bien. Et avant d'aller porter plainte ou de faire un problème, assure-toi que tu as raison. Et quand on est au social, on ne cherche pas les problèmes. Quand on est au social, voilà ce que tu dis aujourd'hui, Nicole. Si les gens sont méchants, ils vont te couper la plainte en Italie. Ça va te gâcher toute ta vie. Tu vas recommencer à zéro. Le social ne paye pas les problèmes. Le social n'envoie pas chercher les problèmes. Je te dis encore ça. J'ai lu, c'est la règle dans toute l'Union européenne, pour tous les immigrants, les Auslanders, quand je dis tous les immigrés, là, tous ceux qui veulent immigrer dans les pays d'Europe, là, qui sont dans le social. Le social ne gère pas les problèmes. Il faut travailler toi-même, tu payes tes avocats, tu parles de tes problèmes. Le social peut t'épauler encore pour manger, pour boire. Manger et boire. Assurance maladie. Voici l'importance du social. Mais aller faire les problèmes là. Toi-même, tu sais là où tu as mis ton pied. Et encore, quel est le problème encore? On va regarder Facebook. Donc, tu as une mère d'enfant. La situation de ta fille, je te dis, mais écoute très bien. On va te demander en Italie. Donc, la situation qu'on a pris ta fille, ça ne te dérange pas. Tu es encore dans les lives. Ça veut dire que donc, tu n'as même pas envie que ta vie ait un changement. Tu veux rester derrière. Comme les fesses que sont ta patronne. Oui. Tu veux rester derrière comme ta patronne. Et ça, c'est très mauvais. C'est mal parti pour toi, ma chérie. C'est mal parti pour toi. Voilà les abeilles qui nous écoutent. Bogré, vous avez vu les commentaires, certains abeilles là-bas, qui t'ont dit que ma chérie, fais attention. Nicole, on est en Europe. Hein. C'est un petit mot comme ça là qui te fait tomber, tu te condamnes toute ta vie. C'est là où tu te rappelles que le Cameroun est même bêta.
où tu entends que le Camerounais est bêta, tu vas te retrouver dans et dis que tu vas te retrouver dans une situation que tu vas te dépasser, maman. Tu es une mère d'enfant, tu es une personne mature. Quelle personne mature, un comme moi, c'est là. Si ça pue maintenant sur moi, je veux seulement assumer ce qui va venir parce que moi au Cameroun, on a mis la croix rouge. On a mis la croix rouge au Cameroun. Donc c'est un pays qu'on a dit que ce qui m'a causé le tort. Ça m'a mis les problèmes que j'ai même que ça va me rendre fou. On a mis la croix rouge, Cameroun croix, devant moi croix rouge. Croix rouge. Donc, s'il va encore au pays un jour, il faut que j'aie le Bordeaux. Comme dans le Bordeaux, voilà, il peut aller au pays. Mais avec le papier qu'on veut donner là, Nigeria, Cameroun, mais l'île est directe là-bas, on va m'arrêter à l'aéroport. Chacun sait ce qu'il veut, maman. Chacun sait ce qu'il veut. Parce que même là maintenant, c'est les policiers que tu portes plainte là. Parce qu'on connaît les gens du Cameroun, maman, ils ont faim. Bon, quand va se présenter, alors bon, si ça veut que tu portes plainte, que Flore se présente, on doit demander à bon, toi-même qui est là, prends ton Dieu, tu viens au Cameroun. Bon, on va te poser les questions. Montre-nous là où Flore a lavé ta main. Tu vas sortir les vidéos des voix. Est-ce que Flore est en train de jeter ta main? Non. Elle est en train de jouer les voix que ta main l'a envoyé. Et ta main l'instruit dans les voix. Donc, Flore de Lille joue les voix pour dire que ouais, voilà une maman qui vient m'insulter ici. Elle vient m'insulter. Non seulement elle demande de l'argent, elle est même agressive. Elle n'a pas un bon ton pour demander l'argent. Elle n'a pas un bon ton. Ta mère est agressive pour demander l'argent. C'est pas bon. On appelle ça que ta mère, donc, c'est une personne que elle a les fuites de mémoire. Ta mère a les fuites de cervelle. Attention, hein, c'est la vérité. Ta mère est comme la veuve joyeuse. Ta mère est comme la veuve joyeuse. Elle voit lundi, même c'est mercredi. Fais attention. Ta mère est comme la veuve joyeuse. Elle voit le lundi. Elle voit que c'est écrit lundi, mais elle dit que mercredi. Fais attention. Ta mère a envoyé les voix à Flore. Insultez Flore. Lavez Flore. Quand tu as tiré Flore, c'est normal que Flore vienne jouer les voix. C'est normal que Flore vienne jouer les voix. Tu veux que Flore fasse comment? C'est normal que Flore vienne jouer les voix. C'est normal qu'elle vienne jouer ses voix. Tu veux que Flore fasse comment? Quand elle regarde, elle applaudit les mains. Mais non, c'est normal qu'elle fasse jouer les voix de ta mère. Et encore où ta mère te dénigre. Donc, vous dites que quoi? Que Nicole dit à ta... Bon, si Flore parlait, on a dit que non, Flore, c'est une menteuse. Elle a joué les voix, c'est pourquoi on dit que Nicole, toi, comme tu es la bonne, bête même comme ta patronne. On dit que l'important de Nicole, voilà ça ici. Elle joue les voix, c'est que Nicole dit à ta mère qu'un parent ne vit pas comme ça. Flore m'a dit ça, mais une mère qui baisse son enfant, c'est du jamais vu. Un parent ne liquide pas sa fille à la vendue populaire. C'est ce que Flore te passait comme message. Mais tu as pris ça mal. Parce que depuis, tu cherchais comment sortir sur elle. Tu n'avais pas la possibilité. Tu as profité de l'occasion pour sortir. Flore, que tu appelles que petite sotte. Quand on te voit, c'est toi la sotte. C'est toi la sotte. Te voilà, Nicole. Tu as un maigre comme pour la girafe. Hein? Ton cou est maigre comme ça. Ton cou est maigre, long. Ta tête porte ton corps. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Parce qu'avant de faire les choses, il faut réfléchir. Réfléchis. Quand ça va cuire, ça va être très tard. Tu vas te rappeler de mes directs. Tu vas te rappeler de mes directs. Fais très attention. Je t'avais dit. Pas par peur que Nicole laisse le problème si Flore ne tente pas de toucher, tu pleures comme ça. Si Flore s'assoit pour te clasher, maman, tu vas mourir. Tu vas tomber en Italie comme on va se mendiquer. Tu vas tomber en Italie comme ça. Que pour pas dire, mais une jeune fille comme ça, c'est quoi? Elle tombe pourquoi? On va trouver que tu as des problèmes de famille. Alors que on a te préparer et donc tu es en Italie. On te prépare et t'es à Paris. On te prépare à Paris. Ça te touche en Italie. Tu as le genre là, ma. Donc, on te fait maigrir. Tu as un homme maigri, les gars. Tu as peur. Tu sèches. Une jeune fille comme toi, comme ça, à 40 ans. Hein? Tu sèches. Tu es en train de sécher, Nicole. Tu es comme le Moïtaga. Donc, voilà, regarde toi. Tu n'as même pas une bonne mine. Tu sèches. Tu es en train de sécher comme, hein? Comme le Kobakot qu'on a fumé. Tu sèches.
Tu es en train de sécher. Tu sèches. Oui. Tu sèches. Comme la saison sèche. Oui, oui, oui. Regarde, fais ton bilan toi-même, tu regardes. Avant de parler de ma Flo, même, prends le miroir, regarde-toi. Prends la photo de Flo, montre sur le miroir. Tu vois comment ta partie va se briser un peu. Ta partie va se casser. Ça va te dire qu'elle est mal à l'aise comme ça. Tu n'as pas la côte. Tu n'as pas la côte, ma soeur. Tu n'as pas la côte. C'est toi qui as le pied comme le boudin. Tu as le pied comme King Kong. Les mollets sont comme Boutazam. Tu cherches encore les problèmes. Donc voilà. Tu vas aller chercher dans la famille maintenant. Bossangi. C'est la femme qui a la tête comme le parapluie. Une femme qui a la tête comme le conteneur. Tu ne peux pas te la prendre. Tu as 9 familles, non, avec Gringa. Et quand ça va cuire, moi, je m'assois ici, là, pour bien pimenter la chose. Comme vous connaissez, on va bien le faire d'ailleurs. Je vais bien assaisonner, je vais bien rire. Je vais m'éclater. Je me la coulerai douce. On passe tout dit souvent. Je vais me la couler douce. Anawama. Je vais me la couler douce. Douce. Ma Dieu, douce. Et il n'y aura même pas de remords. Je vais rire. Donc voilà. Tu fais le direct. Tu t'assois en plein direct. Tu parles de Flore. Hey, ma Flore. Tu pètes en plein direct. Regarde. Tu es au niveau où tu t'assois. Tu parles, tu pètes. Tu pètes en plein direct. Tu babades. Tu es enragé. Donc, au lieu de serrer tes pieds. Tu t'assois, tu clashes. Ah, ma faute. Tu pètes. Tu pètes. Carrément. Carrément. Fais attention. Moi, je vais te dire encore, Nicole. Fais attention. Fais très attention. Les gens qui te montent là, quand un problème va arriver, wallahi, il n'y aura personne pour te défendre. Si un vrai problème t'arrive en Italie là maintenant, tu seras seul. Tu n'auras personne. Tu n'auras personne. Moi, j'ai ma mère qui est ici. Ça cuit là. Hein? Je pousse ma mère devant. Avant même que ma mère n'arrive pour me défendre, je suis mineur, maman. Il y a le young âme, le social âme. Ils vont me défendre d'abord. Ils vont pas regarder ce que j'ai d'abord fait. Hein? Ils vont me défendre. C'est comme ça ici. Ici, là, on ne pousse pas les enfants. Même quand ils parlent dans les bureaux, on me traite comme un petit, un enfant de président. Ils vont me défendre. Mon avocat même va me défendre. Maintenant, derrière, ils vont me bombarder bien même. Moi, on va rien me faire. C'est un enfant, il délire, ça arrive comme ça. Et oui, tu prends aussi ma position de petit garçon. C'est ça qui est, ça ne chauffe pas, maman. Ça ne chauffe pas. Toi, une vieille mère comme toi. Ça va cuire sur toi, tu vas t'asseoir, tes yeux vont sortir de l'orbite. Fais attention. Donc voilà, ici, tu es là maigri sur le cou. Tes estimes sont là comme les tchaka. La pointe 56. Fais attention. Tu t'assois en direct. Tu insistes, ma faute, tu pètes. Ma Anna, même que tu vois là. Il y a le cas là où ma Anna vit. Non, mais franchement, avant de se parler, même dans les réseaux sociaux. Assieds-toi. Quand toi, tu suis le direct, ma Flore te ramasse. Tu vois là où Flore est assise chez elle. Comment c'est propre. Tu vois là où ma Anna dort. Bien rangé, le salon est joli. Nyanga, tu es dans une église, même que. On te demande de retirer la poussière sur les fenêtres, tu ne retires pas. On te demande de balayer la cour, tu ne balayes pas. Mais tu veux insulter les gens qui doivent aller dans les maisons de luxe, maisons VIP. Ta mère, même là-bas, au pays, là-bas, hein, elle est encore au niveau où elle demande le cube chez la voisine. Ta mère demande le cube chez la voisine. Mais tu viens là avec une maman que sa fille. Donc sa fille a beaucoup fait les efforts pour être à l'aise comme elle est à l'aise là. Ta mère demande encore le sel au Cameroun, le poivre blanc, le canouan, l'huile rouge, l'huile d'arachide. Elle a encore le savon. Mais si ta mère est vraiment pauvre comme ça là, demande à ta mère de faire la réunion des savons avec les draps. Fais la réunion des draps au pays avec l'huile d'arachide, avec les savons. Elle peut faire la. Elle peut cotiser pour elle, pour toi et banque scolaire, pour ta fille. Donc, Marie bouffe la tontine étant en Italie. Ça peut payer les avocats.
ça peut payer les avocats. Ça paye les avocats. Cherche une banque à ta mère, elle cotise chaque mois ou chaque semaine. Elle cotise, elle met la banque scolaire pour sa petite fille. Elle met banque scolaire. Il y a les tontines de savon, des draps, même des assiettes même. Il y a tout le tontine, même pour le savon, Makabou, il y en a. Cherche une tontine dans ma tête, je la mets là-bas, devient commissaire de tontine. Elle a trop crié, elle dort partout. Tu n'es pas fier. Tu n'es pas fier. Non, mais franchement, parlons vrai, tu n'es pas fier, ma. Si ta mère, au moins aujourd'hui, elle est bien. Non, mais franchement, même quand on est pauvre hein, et qu'on vit en Europe, au moins c'est là où ta mère doit dormir. Même si c'est une chambre. Même si c'est la chambre, ta mère est tout ce que tu as de précieux sur cette terre. Ta mère est tout ce qu'il y a de précieux sur cette terre pour toi. Va faire les fleurs de lune, non. Et regarde les fleurs de lune, comment elles font les mouvements. Mais les mamans, les blancs, les mamans. Et regarde les fleurs. Regarde Flo, comment Flo prend soin de sa mère. Regarde comment Flo prend soin de sa mère. Regarde bien, ça ne te dit rien. Flo t'a dit, occupe-toi de ta mère, tu as pris ça comme les insultes. Mais oui, c'est la vérité. Occupe-toi de ta mère. Occupe-toi d'elle. On n'a pas deux mères sur cette terre. Ketia, on n'a pas deux mères sur cette terre. On n'a pas deux mères. Occupe-toi de ta mère. Prends soin de ta mère. Donne de l'amour à ta mère. C'est vrai que ta mère a avalé la radio. Mais donne de l'amour à ta mère. On sait que ta mère, c'est le DVD. Quand tu mets la cassette, tu as mis play, c'est fini. Pleure, ça me pleure, ta mère a mis play elle-même. Tu vois ta vie? Tu vois ta vie? Ta mère a avalé la radio. Toi-même, tu as avalé la radio. Avec deux piles. Tu vois, c'était transmis les gènes. Ça a oublié encore la série sur le gâteau. Les quatre lettres. C'est pas une maladie qu'on se moque. Hein. Vrai, on se moque de cette maladie, mais ce que tu as fait, maman, Anna, on va se moquer de ta mère. On va se moquer. On va dire, hey, la fille, maman, la fille de la maman qui a les quatre lettres. Hey, pardon. La fille de la maman, la maladie. Oh, oui, pardon. Ta maladie là-bas. Ah, Nico, tu es malade, pardon. C'est que nous aussi, on s'assoit, tu salis. Où tu iras d'Italie? Les noirs vont te chasser. On va te chasser. On va dire que hey, c'est pas la fille qu'on dit à Facebook elle a le 14 lettres. Oui. Écoute, le 14 lettres. On va dire les 4 lettres. On va dire ça. Que hey, la fille, c'est maman. Pardon. On va te chasser. On va te chasser. Je parlais que même les blancs dans les salles n'ont pas fait le test sur toi. Parce que si on met la machine sur toi, tu vas crier. Wouah! Ça va créer pour lequel, maman. Le nombre de virus qu'il y a sur toi, c'est mal, c'est grave. C'est grave. Vraiment, c'est grave. Essaye un peu de mettre ta vie en prière. Tu dors à l'église, non? Mais commence à prier. Commence à prier. Hein? Commence à prier. Commence à prier. Ma foi en direct. Ma foi en direct. Si ma foi en direct me dit coupe, c'est la vraie, je coupe alors. Elle en direct. Et moi, qu'on dit qu'on passe chez ma foi. Ma foi en direct. Si elle en direct, je coupe ou partez là-bas alors. Parce qu'on ne peut pas lancer le direct en même temps qu'elle est en direct. C'est pas bon. Non, mais franchement. Ah non, elle n'est pas en direct. Ok. Non, mais franchement. Franchement. Hein? Regarde-toi aujourd'hui. Tu portes les 100 contre. Confiance, c'est en Europe, les sans confiance. À 12 heures. Ah, ok, elle a dit à 12 heures, d'accord. Les sans confiance en Europe. Les sans confiance, tu dois à l'église. Te laver, mais tu ne te laves même pas. On compte quand tu te laves. Elle lave seulement la face, elle met lui le parfait, soit elle pas. Hein? Hey, ma chérie, j'ai pitié de toi, hein. Moi j'ai même prêt, regarde, j'ai même pitié de toi, maman. Moi j'ai même pitié de toi. Tu déprimes dans les rues, maman. Dans les rues, tu déprimes. Tu déprimes dans les rues en Italie, maman. Hey! Fais la formation. Même la formation, même ta bouche. Avant d'abord, tu es penché le jour que tu disais ça, non. Laisse-moi dire que tu es menteuse.
de ce moment que tu mens. Quand toi la plus tu mens. Tu mens et tu ne respires même pas. Hein? Non, vrai, vrai. Une femme qui a les pieds comme le crocodile, mais c'est la magie. Regarde le pied d'une femme par terre. Vous avez connu les Sao. On a fait l'école. Hein? À l'histoire d'avant, on parlait des Sao. Les personnes, les premiers hommes à être les plus grands, les plus grands hommes sur la terre. On parlait des Sao à l'époque. Vous avez les gros pieds comme ça là. C'est comme Nico Christian. Les Sao. C'est lui qui est des Sao. La descendance. L'héritage, c'est les gros pieds. Les pieds. Les pieds sont comme les plantains de Boumiebem. Les gros pieds comme ça. Les pieds sont comme la tête de sa patronne, les gars. Hein? Les pieds partent, on croit que c'est l'éléphant qui passe. Hush! Elle fait la manicure, même, tu vois comment les pieds, le pieu dans les pieds. Non, mais franchement, hein, ne montre plus les pieds comme ça. Hein. Ne montre plus les pieds comme ça, ma chérie. Franchement, on va te porter plein. Ne montre plus ça. Hein, ça. Maman, hein, les pieds là, ici. Le pieu dans les ongles. Le pieu dans les ongles. Hein, les pieds. Maman, je t'ai dit que pour aller en prison, c'est pas dur pour toi. Botte sera une personne là-bas, tu vas lire. Le panari va sortir sur la personne. À tes pieds, maman. Regarde le pied par terre. Ça, c'est la pointure 75. Regarde les ongles même. Hein? Le puits a coagulé dedans. Les orteils sont macala, macala. Regarde. Regarde les pieds d'une fille en Italie. Hush. C'est quoi ça? Hey! Pas ça, non. Regarde. Ah, les pieds d'une fille en Italie, les pieds. Après, elle va dire que la lionne, c'est qui? La lionne a quoi? Je suis en bain. Maman, mieux encore les pieds de la lionne, maman. Mieux encore les pieds de la lionne. Sur le jour et la nuit. Quand la lionne monte son pied en direct, tu vois. Ah, t'as pas. T'as pas, c'est le crumpac. C'est le crumpac. Regarde tes pieds, le crumpac. Ah, tes pieds, le crumpac. Regarde. C'est par terre là comme l'hippopotame. Voilà les pieds. Hein? Quand on traite pas ces pieds, c'est là, tu sens que, ouais, à l'époque, quand tu es encore petit, on avait les tontons là qui coupaient la peau sur les pieds avec la lame. C'est comme ça, les pieds-ci. C'est les pieds comme ça. Quand on était encore petit, avec les 12 ans, là, on avait les tontons qui avaient la lame. Ils marchaient la lame, ils coupent la peau sur les pieds. C'est les gens-ci. Ils marchent, ils coupent la peau sur les pieds. Vous voyez que les gâtés, les pieds, sinon, il y a la double peau sur ça. Donc, on coupe avec la lame et les ciseaux. Ils coupent, tchac, lui, il fait un peu, aïe, ils coupent, tchac, c'est les gâtés, les pieds-ci. On coupe la peau dessus. Regardez. Il dit que c'est les vrais chics. Regardez comment elle a regardé les pieds, maman. Regardez. Voilà, ici, si Nicole botte une personne avec un d'entre vous ici, sur le panari une fois, sur la partie là, sur le panari, dans le pied d'une personne, maman, en Italie, l'Europe, Jésus. Même la blanche là, non. Quand elle travaillait sur le pied, sinon, elle a porté les gants. Elle a mis les gants comme ça là. Elle a mis les gants. Hein? Je vais vous montrer comment elle faisait. Elle a mis les gants comme ça. Je vous montre bien. Vous savez que moi, je ne suis pas dû pour vous montrer, non. Elle mettait les gants comme ça. Hein? Elle met les gants. La blanche, elle a mettait les gants. Elle disait que maman, c'était pied comme ça. Hein? Je vais vous montrer comment elle mettait les gants, elle a arrêté les pieds. Ouais. Elle dit que merde. Il y a encore la tête de pièces de nos jours, maman. Elle met les gants. Elle dit que merde. Ça, c'est pas possible. Hein. Vraiment, c'est dangereux. Hein. C'est très dangereux. Hein. Mais les gants, tu vois, la blanche enfile les gants. Elle double les gants, maman. Une blanche qui double les gants. Une électricienne qui double les gants. Pour toucher les pieds de quelqu'un, maman. Elle double. Hein. Elle double les gants. La fille de Marie, fille a fait fort avec le cocori. Hein. Elle prend les pieds comme ça, là. Elle arrête. Elle touche comme ça. Vraiment, c'est compliqué au pied. Hein? C'est compliqué. Hein? Isaac, quand même là-bas, on touche, elle crie. Aïe. Parce que le puits a gonflé les pieds. La blanche, là. Donc, une blanche esthéticienne, elle avait le pied comme ça, avec les deux doigts, comme ça. Elle regarde le pied. Quand elle plus le pied, elle tremble, elle saute. Elle saute. Hush! Hush! La blanche, elle a mis les gants pour toucher tes pieds, maman. Les gants. Une blanche qui met les gants pour laver les pieds, maman. Donc, Toby, tu avais mis les gants là à côté depuis. Mais depuis, j'ai mis les gants depuis, non. Je suis toujours armé. Tu ignores quoi? Je suis toujours armé. Je suis toujours armé.
Oh, hein. Vous ne pensez pas. Hein. Je suis toujours armé. Je suis un combattant de taille. Je suis toujours armé, équipé. Il y a l'équipement à côté de moi, non. Je vous montre comment la blanche faisait avec les gants, non. Elle arrête les pieds comme ça, là. Hein. Toi-même, tu crois quoi? Ouais, Déborah. Ce n'est pas la blague, hein. Toi-même, regarde. Il y a les pieds qu'on ne touche pas avec les mains. C'est quoi ça? Toi, quand tu vois les pieds ici en Europe, maman, tu vois qu'on voit que les pieds nous balouent, genre comme la fumée sort dedans, maman. Hush! Ça, c'est déjà qu'elle a fumé. Elle passe la commande des chaussures dans les magasins. Elle passe que la commande en Chine. Le genre de point, tu sais, il n'y a pas ça dans les boutiques. On passe que la commande. Donc, c'est la commande. Tu fumes tes pieds, tu envoies. Ah, c'est la commande. On... Les chaussures de Nico, on prend que la commande. Elle est. Les pieds comme pour un mec bio, bon sang. Il sait, hein? Elle est comme une personne qui est morte, elle est revenue. La fille de Mère Ngassa. Eh, Ngassa, Wifi, elle parle de petit modem. Petit Wifi. La fille du gros Wifi, c'est le petit Wifi. Wifette. La petite Wifette. La fille de Ngassa. Ngassa Wifi Free Access. Yay, maman. C'est, on se voit que c'est quoi ça? Même les cheveux sur la tête. Maman, elle n'a pas les cheveux sur la tête. Non. Même les cheveux sur la tête, elle n'a pas. C'est normal que tu te fuis, non, maman. C'est quoi ça? Elle a mis la main sur le menton. Elle est là comme une vieille vendeuse de cola. Vous voyez les mamans qui vendent les colas en de côté là, non? À partir de 22h, comme ça, avec les billets soufflés à côté. C'est l'urgence. Elle est comme une ancienne vendeuse de cola à Andokoti. C'est Andokoti, c'est les morts qui vendent à la nuit, non, les morts. Dans Andokoti, on dit que Andokoti la nuit, on ne mange pas Andokoti à la nuit. Les gens qui vendent les beignets la nuit, là, les beignets là, ce n'est pas chaud. C'est les morts qui viennent vendre. C'est pour ça qu'on boit vos chances. Donc ceux qui partent au Cameroun, la mangent Andokoti dans la nuit, là, non. Sachez que là, vous vendez vous-même. Les voilà, c'est les revenantes. Et voilà. Les voilà. Voilà ici. En plein minuit, une heure, quelqu'un allait baigner les beignets. Depuis de 19h à minuit, une heure, deux heures, quelqu'un va les baigner, maman. C'est le femme là. Là, ça. Ici. Là, tout ça ici, comme ça. Là, ça. Et le pire, en quoi met le rouge à lèvres? Non, maman, tu comprends, non? Tu es affreuse. Tu n'aimes pas l'aide, tu es affreuse. Tu es frais, le pauvre, maman. Yesh! Maman, oh. La femme, l'ex-femme de monsieur de la Fougounette, la femme de Rachelot. Non, mais franchement, je tombe des nues. Je tombe des nues, vraiment. Je tombe vraiment des nues. Cette fille, elle a vraiment, elle a un problème. On doit la soigner. Eh, mais qu'on la soigne. Eh, mais qu'on la soigne. Ouais, vrai. Qu'est-ce qui fait que cette fille, le blanc, la met dehors? Ce qui fait que le blanc la met dehors, c'est Facebook. Vous savez, quand vous êtes marié, il y a des personnes que vous les voyez faire les directs dehors. Parce que tu peux être avec quelqu'un, la personne t'en voit ce que tu fais, mais ils ne comprennent pas. Alors, chaque fois, elle faisait tous les directs. Même le soir, quand elle veut même parler avec son nom. Eux, ils n'avaient plus de contact, de discussion, alors qu'ils sont dans la maison. Ils sortent le matin, ils partent travailler. Elle n'a jamais travaillé. Ça fait 7 ans. Quand le monsieur rentre, elle est troussée. Il y a les jours qu'elle oublie, elle ne prépare même pas. Quand il rentre, ça, là, il commence un peu à préparer et tout. La distance a commencé à se créer. Le monsieur lui a dit, il y a même eu des moments qu'elle a oublié d'aller chercher l'enfant à l'école. Elle a oublié d'aller chercher l'enfant à l'école. On l'appelle, elle est sur Facebook. Je suis obligée de déclarer tout aujourd'hui. Wow. Je n'ai pas... avec moi, c'est sans état d'âme. Il y a eu des moments qu'elle oublie d'aller chercher l'enfant à l'école. Et qu'est-ce que les gens de l'école, ils appellent. Elle est tout sur Facebook. Tu vas défendre, t'appelles. Tu es sur Facebook, ça n'a pas au répondeur. On appelle le père.
jouer cette levée. Ça, tu sais, toi, qu'elle s'est rendue compte que l'enfant. À 17h, elle se lève un jour, il est 17h. Elle était poursuivie. Oubliée d'aller chercher l'enfant. Vous savez, quand ça se passe comme ça, on appelle le père. Les problèmes ont commencé par l'école de l'enfant. Parce que l'enfant est petit. Le père part. C'est comme ça que le pater est parti chercher l'enfant à l'école. C'est-à-dire que, comme il travaille dans. Tu vois, il connaissait toute la maçonnerie là. Comment. Et il travaille dehors, dans la construction. Donc il est rentré avec la vie de toi et l'enfant en main. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dormait parce que toute la nuit, elle ne dort pas. Les gens l'appellent. Elle cause avec les gens de Facebook. Elle organise. On lui donne les mauvaises révélations. Elle est ce qui fait que elle est épuisée. L'école l'a envoyé d'abord un courrier. L'école a envoyé un deuxième courrier. Et l'école a informé maintenant la mairie. Vous comprenez avec quoi? Elle fait un signalement. Elle ne vient pas chercher l'enfant. Quand l'enfant arrive à l'école, l'enfant n'est pas bien. Elle n'a pas le temps de discuter. L'enfant ne... Même les activités, comme vous voyez que les enfants qui vont à la danse là, elle n'amène pas l'enfant aux activités. Mes chers et sœurs, dites-moi comment tu peux être ici en Europe. Tu n'amènes pas l'enfant aux activités. L'enfant est inscrit, mais l'enfant ne fait pas ses activités régulièrement. Ah, c'est clair. Ça capote. Parce qu'avant qu'elle rencontre le monsieur était avec une Européenne. Elle a refusé que le monsieur doit voir son enfant, les enfants qu'il a eu avant. Elle dit que non, que les enfants là n'entrent pas dans la maison où elle est, que le monsieur ne prend pas ses enfants chez lui. Je suis obligée de parler, j'assume. C'est ça, ma, c'est bien. Sans pitié. Ça s'est gâté. Vous savez quand le blanc dit que c'est fini, non? Le blanc, il a dit que c'est fini. Même si tu pleures, même si tu pourrais le recommencer avec lui, avec toi. Le monsieur là-bas, il a sa famille, il a son frère, il a sa mère. Mm-hmm. Mettez les cœurs. Monsieur Rachelot. C'est comme ça que le monsieur lui a dit de partir. Elle ne voulait pas. Mais vous ne connaissez pas comment ça se passe en Europe. Quand la maison, c'est pour toi, c'est toi qui mets dehors. Ils ne sont pas mariés. Ils ont seulement un enfant. Ils n'ont jamais été mariés. Le monsieur ne l'a jamais épousé. Oui. Elle voulait faire que Gangan, le monsieur a collé. Quand la police arrive, on a demandé que c'est la maison de qui. Le monsieur a dit que c'est sa maison, il a raconté son histoire. On lui a dit de prendre ses choses dans la maison, de prendre. Toujours avec la police, hein. On lui a dit qu'elle entre, elle prenne quelques trucs. Et c'est la police qui appelle, qui commence à chercher où elle va aller. Pour elle. On l'a d'abord logé à l'hôtel. Oui, elle est sortie de l'hôtel. Elle a commencé à vouloir venir faire le bruit chez le monsieur. On l'a donné interdiction, elle ne peut pas aller là-bas. Elle a l'interdiction d'aller devant chez le monsieur. Quand la mère comme ça, elle parle à la police, elle commence à accuser que le monsieur est alcoolique, que le monsieur boit le vin. Elle table un coup, hein. Elle prend le départ, hein. Moi je vous dis, elle prend le départ. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des moments que elle est bien, les moments qu'elle cherche, parce qu'elle prend le départ, elle consomme le départ propre. Quand la police arrivait, elle savait le bâtiment. Quand la police arrivait, elle a voulu commencer à dire que le monsieur fait les attouchements, qu'il est alcoolique, le monsieur bat sur elle. Vous connaissez les femmes, non? Comment le monsieur bat sur elle, comment le monsieur est alcoolique, on lui a seulement dit que prends tes quelques affaires, tu sors. Non, ma boy, tu connais ta chose, ma. Tu connais ta chose. Qu'est-ce que Nicole? Nicole n'entre pas là-bas. Nicole n'entre pas là-bas. Oh. Et tu dis que Nicole n'entre pas là-bas. Quand ma boy veut s'asseoir sur toi, maman, elle va pour faire maigrir. Toi, quand tu as commencé le plan, tu avais comment on l'appelle là? 90 kilos. Tu vois là qu'il y a 65 kilos. Fais attention. Maintenant, ça va dans quelque chose. On te fait faire un régime paralytique. Yes, Marvo. FBI. Elle accuse le monsieur d'être alcoolique.
de battre sur elle et de faire les attouchements. Le monsieur a pété les plombs. Et vous savez que quand tu accuses un homme ici, avant que la situation ne s'arrange, tout ça là, on lui a conseillé d'aller porter. Elle a porté plainte à ce monsieur. On lui a dit que la police a dit que mais s'il a fait tout ça, va porter plainte, tu ramènes les preuves. Donc vous la voyez faire sur Facebook là. Parce que le monsieur s'est plaint des réseaux sociaux où elle est dedans. C'est une leçon de vie pour que Facebook détruit les gens propres. L'enfant est où? Dans tout ce que vous faites là, vous n'avez jamais demandé comment va l'enfant de 4 ans. Alors je vous dis ce qui se passe avec l'enfant de 4 ans. Quand vous dites ce que oh, je maîtrise, voilà ça. Des marvaux, non? Ma bosse, c'est le FBI de Facebook, maman. Marco, c'est le FBI. C'est le FBI de Facebook, maman. Marco, c'est le FBI. Marco, c'est le FBI, oh. Marco, c'est le FBI. Oh. Tu vas faire les lives, les pasteurs appellent dedans. Avec les pasteurs. Hey. Voilà les abeilles ici, je suis la balateuse. Est-ce que vous allez appeler quelqu'un qui remplace leur aile, quelqu'un qu'elles ont délaissé de côté? Tu crois vraiment, coucou la blague, tu crois vraiment qu'une vraie abeille va l'appeler le petit moucheron-ci? Honnêtement, une vraie abeille va l'appeler le moucheron. Parce qu'elle dit la vérité, tu pleures. Parce que le truc, tu vas être savoir. Mais tu es une manipulatrice. Comment tu es comme ça? Ça, c'est une abeille, ça. Vous me jalousez pourquoi? Parce qu'elle a dit la vérité, Waris. Vous aimez que vous avez un concept. Et bon, on fait. On continue. Je vais pas même recommencer. Je ne comprends pas. Eh, vraiment. Des fois, on te laisse. Parce que je suis ta tante. Ah, comme le 2 novembre, ma poche piétaire, quoi, ça soulever les cabales. Les pleurs, s'il vous plaît. Les pleurs. Voilà comment quelqu'un déprime parce qu'on a dit la vérité. Tu ne peux pas dire que tu aimes Fleur de Lune, mais tu montes les gens. Tu peux accepter une petite. Tu la... Tu vois comment il est manipulateur. Ça, c'est le duo quand Pistani et moi, on avait des problèmes. Donc, il venait que il me fait un peu les fêtes. Tu as lancé le caillou de la joie. Et je vous dis une chose, mes jambes, Pistani, vous voyez. Priscali aime beaucoup Flore, je vous assure. Quand Priscali m'appelle au téléphone, c'est Marco. Priscali aime trop Flore de Lune. Donc, ce qu'il veut faire là, non, mes gens, n'entrez pas dans la manipulation là. Priscali aime beaucoup Flore de Lune, je vous assure. C'est Priscali qui m'appelle au téléphone. Toby, Marco. Priscali aime beaucoup ça, Marco. Ce qu'il veut faire, c'est pour détenir les abeilles contre Flore de Lune. Et n'acceptez pas ça, mes gens. Vraiment, si vous acceptez, c'est que même Dieu va vous punir. C'est pas bon. La fille aime beaucoup Flore. Moi, je dis la vérité. Hein, parce qu'elle et moi, on est un peu bien. Je dis la vérité. Quand Priscali est au téléphone, petit débat, il y a Marfo dedans. Marfo. Ce qu'il fait là, c'est les histoires. Il veut que les abeilles commencent à se rebeller sur Priscali. Ce n'est pas bon. Je refuse ça. On sait, même toi aussi, elle t'aime. Non, elle m'aime. Côté là, moi, je l'aime beaucoup. Elle me sait même beaucoup. Non, elle sait. Si Priscali.
Ça passait par rapport, on n'est pas souvent d'accord, mais sinon, Pouscaline, elle m'aime beaucoup. Et c'est une bonne personne, Pouscaline. C'est une très bonne personne, cette fille-là, que vous voyez là. C'est une façon de vous monter contre elle, c'est pas bon. Cette fille-là, elle aime beaucoup sa Mafo. Quand Pouscaline parle au téléphone, c'est que Mafo, 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 Mafo. Elle aime beaucoup Mafo. Pourquoi maintenant, clash alors Pouscaline, mais il ne faut pas venir parler pour dire que celle-ci est abeille. Elle est abeille Piam. Pouscaline est abeille Piam. Elle soutient sa reine mère. Elle soutient sa reine mère. La manipulation. Une vraie abeille ne peut pas l'appeler ou on insulte sa vie, même s'il y a quoi. L'abeille ne se rallie pas bêtement. Parce qu'il faut que tu nous dises combien de fois Fleur est venu dire ici que c'est n'allait plus laver mon nom. Vous faites vos guéguerres. Laisse-le tranquille. Je crois que si tu ne parles. Toi-même, tu es hypocrite, Wari, laisse-le tranquille. Comment tu peux encourager Nicole qui insulte ma Anna? Tu ne sors pas pour dire que non. Nicole, tu as exagéré. Sachant que Flo n'a jamais insulté la mère de Nicole. Wari, tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Tu es hypocrite. Tu entends, non? Tu es hypocrite. N'importe quoi. C'est moi qui peux parler. Toi, tu es qui fait la paix. Tu crois que les gens comme les vrais, même les gros, la femme vient commenter chez moi. Si les mafes ne mangent jamais, viennent commenter chez moi. Tu as dû faire la paix, venir m'insulter. Sous quel tu me dis m'insulter ici? Hein, papa? Ça leur servit à quoi? Ils ont le couacre de Balata. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne passe pas chez vous. Moi, j'ai un contenu. Je cuisine. Quel contenu? Tu as quel contenu qui doit faire ça? Et puis tu n'as pas dit, tu n'as pas plus de 10 000 abonnés. Voilà, n'importe quoi. Mon pain même avec le saucisson, je n'ai même pas regardé ce que j'ai mangé. N'importe quoi. Dieu merci. C'est quel genre d'abeille ça? Tu vois que je n'avais pas vu? Tu es quel genre d'abeille? Tu vois que c'est un débat à faire de lire que le camp, avant que Tobio ne fait ça, mais venir te supporter là, c'est que ce qu'elle a fait là, elle sera contente. Oui. Dis-moi où j'ai insulté Fleur de Lille. Tu vois, comment tu es alors belle? Dis-moi où j'ai insulté Fleur de Lille. Tu n'as pas insulté Fleur de Lille dans ton direct, mais ce que tu as fait, c'est une insulte vis-à-vis de Fleur de Lille. On est parti à l'école, mon ami, ferme ta bouche. On est parti à l'école. Si toi, tu acceptes, tu as tout dit que tu avais Fleur de Lille. Si Nicole insulte la mère de Fleur de Lille et toi, tu partages Nicole, tu fais les directs, tu dis soutien à Nicole, ça veut dire que tu encourages que Nicole insulte Fleur de Lille et tu es avec Fleur par hypocrisie. Il faut dire la vérité. Oui. On est venu t'arrêter. Elle n'a jamais volé, tu m'as. Toi qui es un voleur, c'est toi qui vole. N'importe quoi, ta pack, pourriture. Ah, les canapés, tu n'as même pas honte. Ah, ça. Payer la maison te dépasse. Tu as lancé le litige pour la maison. Tu peux... Elle n'a jamais volé. Elle est entrée dans une propriété privée, elle ne connaissait pas. Tu entends? Elle ne connaissait pas. Elle est entrée dans une propriété privée, elle ne connaissait pas. Tu es venu parler de quoi? Donc, tu partais, tu dis que ouais, puisqu'elle cherchait, pour bien citer aujourd'hui. Mythomanie de ça. La mythomanie, hein, maman. Je prends le tchum. Toi, tu es un serpent que tu pars au deuil. Toi, Waris, tu es un gros serpent. Si tu aimais beaucoup Flo, comme tu veux faire semblant là, tu n'avais pas accepté que Nicole insulte ma Anna. Moi, maintenant, qui sors pour défendre ma Anna, tu sors maintenant pour m'insulter. Pourquoi? C'est quoi le but? J'étais insulté. Je n'étais pas insulté. Depuis que tu m'insultes, tu prends mes pieds, tu mets là-bas, tu prends mes photos, tu prends ma mère, tu mets. Est-ce que moi, je te réponds? Je ne te réponds pas. Je t'ai dit, défi, sors-moi tes fiches de paye. Et moi, prenant ton contrat de bail à ton nom, et je ne parlerai plus jamais. Même t'insulter, je ne vais jamais te clasher. Tu dis ça ici. Sors-moi tes fiches de paye avec ton contrat de bail et puis on fait ça. Moi, comme tes fiches de paye, où tu as travaillé, où ton contrat de bail, pourquoi on t'a enlevé le permis? Hein? Dis-nous pourquoi tu as enlevé le permis. Tu buvais le vin, tu faisais les bêtises. On t'a enlevé le permis. Il faut parler. On t'a enlevé le permis, tu es paresseux, tu ne fous rien. N'importe quoi. C'est toi qui es plus bête. C'est toi qui es plus bête. Ce qui est marrant, c'est que lui, Waris,
toi, tu veux qu'on t'écoute. Hein? Tu veux qu'on t'écoute. Tu oublies que ce que tu fais là, les gens qui cotisent, c'est pas ce sont les abeilles. Ce sont les abeilles qui te donnent l'argent. Il faut dire la vérité. Mais au jour d'aujourd'hui, tu as mangé leur argent. Tu fais maintenant l'hypocrisie derrière eux. Tu as chassé les gens derrière les abeilles pour te faire donner une bonne image devant eux. Tu as montré à Fleur que non, tu es sa personne. Mais je suis surpris que par derrière, c'est les gens comme les nous qui viennent encore sortir pour dire que non, easy. C'est quoi? Laissez la reine mettre tranquille. Aucune sortie pour défendre Fleur, tu n'as fait. C'est les nous aussi que tu as dit, c'est là que oh, les abeilles, méfiez-vous de telle personne. Mieux encore d'une personne. Que quand il veut parler, il lance le direct, il parle. Que d'une personne comme toi, qui fait le tout dans le noir derrière. Tu es un serpent à deux têtes. On doit se méfier de toi dans Facebook. Toi, Waris, tu es un gros serpent. Tous ceux qui sont en Facebook avec toi, là, doivent avoir peur de toi. Ils doivent avoir peur de toi bien même. Très mal même peur de toi. Parce que tu es un gros serpent. Tu es un gros serpent. Si tu aimais vraiment Flore, ce que tu ne tolères même pas, c'est que même taguer Nicole dans ta page, tu ne le fais pas. Elle avait moi bien. L'enfant là ne l'intéresse plus. Hein? Il est mal levé. Combien de fois elle vous a demandé pardon ici tu... Par rapport à quoi? J'ai tué qui chez les abeilles. Je l'ai tué personne chez les abeilles. Je suis désolé. Je l'ai tué personne chez les abeilles. Parce que quand tu veux parler, cherche la compassion des abeilles doucement. Hein. Cherche la compassion des abeilles doucement. Laisse mon nom derrière. Cherche la compassion doucement. Cherche ton loyer doucement. Cherche ton loyer doucement. Cherche ta nourriture pour m'aider doucement. Laisse Cristaline tranquille. Cherche ton loyer doucement. Je t'ai dit, tu es hypocrite et j'assume mes propos. Tu es hypocrite. Si tu aimais vraiment Flore, tu n'as pas tagué Nicole à ta page pour dire que oui, ma soeur Nicole, vraiment, n'importe quoi, bipolarité de ça. Tu es le vrai bipolaire de la toile. Moi, au moins, j'ai dit, parle, on me voit. Je lance mon direct, je parle, on me voit. Toi, tu pars derrière dans le noir pour aller combattre. Quand ça sent, maintenant, tu sors maintenant comme un poisson qu'on a mal pêché. N'importe quoi. Tu n'auras même plus 25 qui copent. Dis donc. Il faut qu'on parle de ton CV. Première fois, tu as insulté Floristi. Oui. Tu es allé chez Lolo. Oui. Tu as quitté, tu es parti revenir chez Flo. Oui. Tu es devenu chez Flo. Tu as commencé à t'attaquer à Lolo et tout. Là encore, j'avais mes problèmes avec Lolo à cause de ce petit. C'est tout mes appétits. Et moi-même, je suis une grande personne dans ma tête. Je n'ai pas resté dans la guerre toute une vie. J'ai laissé. Ce que j'avais dans mon ventre que j'ai dit, j'ai déjà dit la colère et j'ai laissé les gens. Moi, le site de Lolo, vous ne me voyez pas là-bas. Ou je ne commente pas. Moi, je connais pardonner avant moi-même. Parce que quand je me pardonne d'abord moi-même. C'est pour ça que je dors bien. Ça c'est dit. Je demande que moi j'ai fait la paix avec moi-même. C'est pour ça que si ma copine ne me réveille pas, est-ce que vous m'avez dû rester à votre direct? La preuve, il doit être vraiment super là-bas. Moi, j'ai peut-être commenté, peut-être j'ai commenté. Moi, il devait sortir mon animal. Il fallait que j'aille mon pain, mon bon pain chez lui. Les hommes et les enfants en Europe, tu as l'animal. Je vais pas dire, le chocolat chaud Nesquik. Qu'est-ce que mon chocolat chaud Nesquik? Les hommes et les enfants, tu as l'animal, tu n'as même pas honte. Je suis venu, je sais plus les soucis de mon animal. Je l'ai combiné le temps qu'il va chier et venir, je lance mon direct. Pourquoi je vais rester dans le direct des gens qui n'ont rien à la tête? Vous étiez trop bête, je n'ai jamais vu une fille qui est bête comme Cristaline. T'as vu ton blog et tu restes comme ça dans la vérité. Maman, c'est la vérité mieux. Est-ce que tu as la lune aller demander à ce petit pardon? Elle peut commenter, mais passe dessus. Tu as la lune aller demander. Laisse la lune tranquille. C'est moi qui fais la guerre. Depuis quand on fait la guerre, on appelle en barbac. Non, choupinette, tu vois la choupinette. Pis, mimbo. Mimbon, le général de l'Omanda d'après elle, parce que nous ne la connaissons pas. Général de l'Omanda d'après elle, une villageoise qui est passée épouser un vieux plouc. Qu'on appelle chez nous les Goulman, les vieux plouc. La réalité de plouc, comme elle n'avait pas le choix, la famille, elle-même dit tout ça, qui était très pauvre. Elle a un bon mari, dis donc. De ce quoi elle a accouché, elle a accouché, elle a 11 enfants. Malédiction. Au moins, c'est elle, lui. Non. 11 enfants. Elle a 11 enfants. T'as pas d'enfants, est où? T'as pas d'enfants, est où? T'as pas d'enfants, est où? Tu connais comment on monte sur une femme? Tu connais comment on se baisse pour mettre la langue à une femme? Tu connais ça? Tu connais comment on a relâché une femme, on suce? Tu connais ça? Tu ne connais rien. Tu es maudit à vie.
Même quand on aime Kwane Nge, ce n'est pas ton niveau aussi, maman. À vie, tu vas mourir le caillou dans les mains, le caillou. Le caillou, même adopter l'enfant, tu n'as pas adopté. Tu es seulement là. Et l'animal, l'animal. Toi, tu es d'abord un animal. Il n'y a que les animaux pour se contenter les animaux. Tu es d'abord un animal toi-même. Avant de parler, tu vas lui parler quoi à Priscaline. Puisque c'est avec toi, Bango, Bango. C'est avec toi, Priscaline, Aura. C'est avec toi, Aura. Les abeilles qui t'insultent là-bas, là, sont les, c'est la version perdue des abeilles. Ce n'est pas les vraies abeilles là-bas. Parce que tout le monde voit dans la toile. Les vraies abeilles voient comment la toile se passe. Les vraies abeilles ne peuvent pas partir insulter parce qu'elles sont dans le direct là. C'est les histoires. Parce qu'ils savent que là où je suis là, tu es dans la manipulation. N'importe quoi. N'importe quoi comme ça. Tu es assis avec une vieille robe, tu es là, ta vie tourne comme le champ de manioc. Hein? Même qui ça? Ça fait les trucs, les postes, donc si le loin pour ça, il y a tout conclu. Et puis le loin, il y a un genre, pardon. Quatre des choses. Même 20 minutes du peuple, voilà. 20 minutes de vérité du peuple. Fais les directs. Tu peux parler fort devant 20 minutes du peuple. 20 minutes du peuple meurt pour sa masse. Comment ça s'appelle encore? Chopinel meurt pour sa masse. Je parle à Priscaline Lamennais. Qui encore? Francis Tanzimi meurt pour sa mafou. N'importe quoi. Ça encore. Qui fait les lèvres? En tout cas, grosso modo, la plupart que vous voyez ici chez moi, là. Meurt pour la mafou. Ou parce qu'elle peut faire là. Qu'est-ce que tu as fait là? Ridicule. Tu es bon. Ridicule. T'écoutais même, c'est le palu. Ça ne m'intéresse même pas de t'écouter. Tu es tellement bête. Tu dis que les choupinettes meurent pour la mafou. Telle personne meurt pour la mafou. Est-ce que pour prouver à Flo que vous l'aimez, il faut seulement partir, dire que par exemple, elle a le direct. Non. Pour soutenir Flore, il y a aussi les prières. Il y a aussi les prières. Vous pouvez vous asseoir chez vous en priant pour vos familles et pour vous. Vous maintenez ma Anna et sa fille dedans. Il y a beaucoup de façons de soutenir. Moi, quand je prie, je dis que Seigneur, que tous mes soeurs, quand je mange, je parle, je dis que même dans le blog, je prie pour tout le monde, je parle pour tout le monde. C'est pour que quand je dis à tous mes soeurs, ça dit donc toute la toile camerounaise, même ceux que nous suivons les followers, c'est comme ça que je dis. Même quand ils coupent, on dirait que c'est la nuit. Je dis que bon, que Dieu vous protège. C'est pour tout le monde. Hein? Est-ce que soutenir, mais que tu as vu ta soeur, tu as dit que je suis ici. Toi, tu as fait comme ça, non? Toi, tu as fait ça ici, non? Tu as mon Christ, tu dis que non, tu avais ma foi, non? Oh, je savais ma foi. Oh, ma foi, tu es mon combat. Non, tu as vu venir faire la saleté ici. En toute ta page, c'est encore là. Sur ta page, c'est encore là. Comment tu encourages Nicole qui insulte ma Anna? Toi, Waris, tu as pleuré ici. Flo n'est pas là à mon anniversaire. Donc, tu avais Flo pour les intérêts. Tu avais Flo pour les intérêts. Tu as pleuré. Je vais te rappeler une seule chose. Le jour que tu pleurais ici, quand Flo n'est pas à ton anniversaire, tu pleurais. Flo, tu n'es pas venu à mon anniversaire. Moi, je te soutiens toujours. Donc, c'est obligé qu'elle vienne à ton événement. Tu es d'abord quoi? Tu es d'abord quoi? Qu'elle va venir te soutenir. Le simple fait qu'elle parte dans tes directs, ça t'apporte les vues. Oui, c'est les abeilles qui donnent l'argent. C'est en faveur de Flo. Flo peut dire que bon, ne donnez plus rien. Ils vont arrêter de le donner. Flo peut dire que non, ne le suivez plus. Ils vont arrêter de suivre. Il faut dire la vérité. Appelons le chef qui s'appelle le chat. Flo peut tout arrêter aujourd'hui. Comme si à qui vous ne donnez plus rien. Flo peut tout arrêter comme ça tout d'un coup. Toi, tu as montré aux abeilles que tu étais avec eux. Mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu as pris Nicole qui les insulte. Ils insultent leur grand-mère qui est Ma'ana. Nous sommes encore flottés de côté même. Jusqu'à Ma'ana. Laver Ma'ana, comme elle a lavé là. Franchement, c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est des actes néfastes. Parce que tu es en France, mais j'ai l'impression que ta cervelle est en Guinée. Toi-même là, Waris, mets un peu tes genoux par terre. Laisse Priscaline tranquille. Les abeilles aiment Priscaline et ça ne chauffe pas. Tu ne peux pas monter les abeilles contre Priscaline. Je refuse. Je refuse. Assieds-toi et fais comme tu as l'habitude de faire sur moi. Mais moi, je dois ta vérité devant tout le monde qui était là. Que tu es un hypocrite, que tu es un gros serpent. On doit avoir peur de toi. Si tu es vraiment fleur de lys, c'est que tu n'allais pas t'asseoir et là, verser comme tu as versé là. Tu l'as versé devant tout le monde ici, on a vu. Tu ne mérites même pas le petit respect. Je suis désolé. Tu ne mérites même pas. Et comment tout le monde, tu es en direct. Hein?
Tu es en direct, tu vois, les gens même partager, même ils refusent de partager. Tu vois. Merci pour les partages, Aïcha Madou, merci beaucoup. Hein? Tu es en direct, personne ne veut partager. Ni même les commentaires me font pitié. Hein? Regarde, trois personnes ont liké, trois personnes. 59 personnes pour écouter. Merci pour les commentaires, Aïcha Madou. Priscaline avait sa main pour ça ne chauffe pas. Tu ne vas rien dire à Priscaline. Tu ne vas rien dire à Priscaline. Priscaline est avec Flore. Et elle soutient Flore dans tout. Elle n'attend rien en retour. De toi, tu as soutenu Flore et tu voulais quelque chose derrière. Tu voulais son étoile. Et ça a raté. Pareil comme de l'Emiondo, je te dis ça ici. Toi et de l'Emiondo, ça a raté. Oui. Quand on aime Flore, on n'aime pas Flore pour ce qu'elle a derrière. Tu aimes Flore pour rien. Comme ça, tu n'attends rien en retour. Mais vous, vous êtes parti derrière elle pour avoir. Les Ngosa sont partis derrière les Ngosa pour avoir les amitiés qu'elle dit qu'elle a. La paix de quoi? La paix pour aller seulement exploiter. Mais ça a raté. Elle est restée bien. Elle a une team qui ne dort pas. Je suis désolé. Donc les abeilles qui sont en train d'insulter là, vraiment, c'est les abeilles non crédibles. Parce qu'une vraie abeille ou un vrai abeille, on ne peut pas aller insulter pour ce moment, comme je suis en train de voir là. Je suis désolé. À moins que c'est la TKO qui est en train d'aller écrire et les fausses abeilles. Parce que les vraies abeilles ne vont pas aller écouter Priscaline comme ça, je suis désolé. Et Priscaline est en direct, donc je vais arrêter mon direct. Allez la soutenir, merci. On se prend au prochain direct.